Vous êtes dans l'ascenseur orbital. Vous affalé, appuyé contre une de ses parois. Vous regardez le décor qui est tout autour de vous. Le décor toujours spectaculaire quand on prend cet ascenseur pour rejoindre le Fort Nebraska qui est en contrebas, sur la lune d'Ariarcus. Le décor tout bleuté que vous voyez tout autour de vous, c'est la planète Oblivion. La lune Ariarcus sur laquelle vous vous rendez gravite autour de cette géante gazeuse bleue chargée d'hélium et d'hydrogène. Des sortes de tornades géantes peuvent se voir un petit peu partout à la surface de ce globe intangible, zébré d'éclairs. Et il y a surtout on va dire une grosse tornade, mais une grosse dépression qu'on appelait l'œil d'Oblivion. Et ça fait 11 000 km de diamètre. Et donc ça fait comme s'il y avait un gros œil qui vous regardait en permanence, où que vous vous trouviez sur la planète. Et donc vous étiez dans l'espace, mais on vous a fait redescendre. On est venu vous chercher. C'est le capitaine Silva, une femme, et appuyée contre la paroi, qui vous regarde un peu d'un air un petit peu hautain, peut-être presque méprisant. C'est pas forcément les meilleurs qui sont là, mais c'est les meilleurs de ceux qui restaient, on va dire. Vous voyez qu'il y a un Marines au nom presque imprononçable sur sa parka, Niedziewski. Ceux qui sont tout à côté de lui, certainement Hammer, peuvent sentir l'odeur d'alcool frelaté qui s'échappe de sa personne. Elle a l'air d'être toujours en train de cuver, les yeux exorbités et pétillants d'alcool. Vous n'êtes pas très rassuré, mais de ce qui va se passer. Vous savez que on vous convoque chez le major Hatfield. Il y a une mission pour vous. Une mission que bah voilà, qui aurait dû ne pas être la vôtre, parce que vous étiez en partance. Vous étiez en partance pour une guerre. Une guerre qui s'amorce un peu partout aux confins de l'espace connu. Une guerre contre l'UPP, l'Union des peuples progressistes. Ce qui pourrait correspondre à une union de la Russie et de la Chine, communiste, bien sûr, pour essayer de prendre des bouts de territoire aux Amériques unies, dont vous faites partie en tant que Marines Colonial. La descente semble interminable. C'est normal, il y a plusieurs kilomètres avant d'atteindre la Lune. C'est toujours impressionnant de voir qu'un ascenseur peut comme ça être déroulé sur des kilomètres. Donc vous descendez toujours cet ascenseur orbital. Vous voyez les lumières de la lune Ariarcus et de la colonie qui s'est installée là-bas. Une colonie qui a été une lune, on va dire, qui a été terraformée. Il y avait déjà un semblant d'atmosphère et les premiers colons sont arrivés dans les années 2070 et très vite voilà, on s'y est installé parce qu'on a repéré des grands champs pétrolifères. Ça a fait la fortune de pas mal de compagnies. Et t'as pas précisé, on est en quelle année là? On est en 2183. Donc on est 2 années après les événements de Novgorod. D'ailleurs, à propos, est-ce que ces événements de Novgorod ont fuité? Est-ce qu'il y a eu Non. une diffusion à grande échelle? Est-ce que tout le monde Non, en a non. entendu parler ou... Non. Et dans l'espace, en plus là c'était à la frontière de l'espace, donc c'était en dehors des zones qui étaient occupées par des nations, on va dire.
Et donc, du coup, non, c'est passé complètement à la trappe, quoi. Donc, vous, en tant que personnage, vous n'avez aucune connaissance de choses qui pourraient vous laisser penser qu'il y a des formes de vie autres que les humains. Et donc oui, à mesure que vous approchez de la lune, vous voyez les lumières de la ville qui sont tout en bas. Alors c'est une lune qui est pas très grande. Et il n'y a qu'une colonie sur cette lune. La forme gigantesque d'Oblivion cache les rayons du soleil. C'est un système qui s'appelle c'est le système Kruger 60, avec qui est binaire, donc avec deux soleils. Qui sont des naines rouges, mais Oblivion absorbe toute la lumière, quoi. Et donc la lune est constamment plongée dans l'obscurité. C'est pour ça que quand vous approchez, vous voyez les lumières de la ville qui sont toujours, on va dire, toujours en état de fonctionner, quoi. Parce que on fait la différenciation entre le jour et la nuit sur Ariarcus en regardant Oblivion, quoi, et en voyant sa luminosité. Mais au mieux, c'est un crépuscule pour vous, et sinon, c'est le noir total. Est-ce que tu peux nous situer dans l'espace, sur la carte? C'est proche du noyau, j'ai pas fait attention à ce que tu as dit Alors, tout à l'heure. je regardais ma carte tout à l'heure et je ne l'ai pas retrouvée, donc je ne sais pas où elle est partie. Mais en fait, sur la carte, on est à l'est de la Terre, on est à 13 années-lumière de la Terre. Donc ça veut dire qu'on est complètement, on était à l'ouest avec la station Novgorod. Là, on est dans le système Kruger 60, qui est proche de celui qui s'appelle Cygni et qui était l'endroit d'où venait Torrensen. Enfin non, Torrensen venait de Kruger 60 et c'était le médecin, je ne sais plus comment il s'appelait. Donc c'était le personnage de Ralmir qui venait de Cygni. Donc là, c'est pas du tout sur la carte qu'on a eue au départ, c'est Non. complètement à l'opposé, c'est de l'autre Ouais, côté, quoi. je vous remettrai la carte. Je pensais la voir, la grande carte, pour vous pinguer le truc, quoi, mais j'ai dû l'effacer par mégarde. Et on est très loin justement des amas civilisés, enfin on est Ah non, pareil. là vous êtes complètement du coup en pleine civilisation. Ça veut dire que D'accord. ici vous êtes dans les Amériques unies. D'accord, ok. Mais c'est assez spécial parce que vous êtes dans une sorte de langue. Qui va lécher un territoire qui appartient à l'UPP. Ah, une sorte d'enclave, Ah, enfin, voilà. c'est Donc ça veut dire que entouré, ouais. c'est voilà, c'est comme si c'était une presqu'île quoi, si on veut faire quelque chose de porte à la terre. Et donc du coup voilà, vous êtes entouré par l'UPP. Et l'UPP qui a de fortes velléités envers ces territoires, il a annexé, ça c'est ce que vous savez, c'est pour ça que vous partiez en guerre, il a annexé le système Cygni 60 qui est juste à côté. Et donc on pense, et tous pensent, que le système Kruger sera le suivant. Parce que l'UPP est toujours en recherche de ressources. Ils sont très pauvres en ressources. Dans la course pour l'espace, c'était les derniers, on va dire. Et donc, ils sont toujours à la recherche de ressources pour pouvoir s'agrandir et pour pouvoir survivre aussi. Donc, il y a une guerre froide pendant assez longtemps, et avec des affrontements, on va dire, sur des planètes lointaines. Mais là, on n'a jamais été aussi proche d'une guerre totale. Et donc, Ils en auraient les moyens contre les Amériques unies? Oh oui, ils sont beaucoup plus D'accord. nombreux, ils sont beaucoup moins équipés, mais ils sont beaucoup plus nombreux. D'accord. Et ils bénéficient de beaucoup de soutien de population. Parce que bah, forcément, on est dans un système ultra capitaliste, et donc les gens sont exploités, et donc beaucoup voudraient rejoindre l'UPP. Il y Oui, contre les a, corporations type voilà, il y a Wayland, Reclaim. certaines, il y a certaines colonies qui veulent carrément changer de nation d'une certaine manière. Et là, au C'est sein de déjà arrivé l'escouade, plusieurs fois. Qu'est-ce qu'il y a?
Au sein de l'escouade, la hiérarchie, c'est quoi exactement? C'est Yona le pas chef Non. d'escouade? Non, je connais pas là encore. Vous vous connaissez pas, mais vous pouvez voir les écussons qu'il y a et les insignes qu'il y a sur les épaules de chacun. Ce que vous voyez tout de suite, c'est que c'est Silva, c'est une capitaine. C'est la gradée, c'est elle qui est accoudée dans cet ascenseur, la paroi en train de regarder à l'extérieur, et puis de temps en temps de vous jeter un œil hautain en essayant de vous jauger et en se demandant qui elle a bien pu récupérer comme escouade. Donc en fait, on n'arrive pas ici en tant que, on n'arrive pas sur cette mission en tant qu'escouade constituée. On va la Non, constituer, d'accord. voilà, vous allez la constituer, Ok. mais vous allez voir très vite, il y a des affinités qui se créent naturellement parce que, on va dire, Proximité à voilà, différents la niveaux. proximité, ça veut dire que dans le soutien, y a, on fonctionne généralement en binôme. Ça veut dire que Hammer va fonctionner en soutien avec Dante. Et donc, y a souvent des binômes, quoi. Et donc, il y a des. Par fonction, on va dire, et puis par grade, les liens se créent naturellement, d'une certaine manière. Donc Silva est la capitaine. Ensuite, il y a Chaplain qui est, on va dire, le médecin. Et donc du coup, par le fait, il a le rôle d'adjudant. Donc après Silva, ce serait lui qui serait censé donner les ordres. Mais bah, vous avez l'habitude, vous, de ce genre de synthétique, ils n'accompagnent pas forcément chaque équipe sur le terrain, mais quand il y a des missions un petit peu plus importantes, et vous avez fait des missions qui étaient importantes, vous avez eu souvent à travailler avec ce genre de synthétique. Alors, les différentes sortes, hein, il y a des bishops, mais surtout maintenant, c'est les chaplains. Ils ont été mis en fonction, allez, on va dire, il y a une trentaine d'années. Et je vous fais un sourire. Et donc, voilà. Oui, vous ne vous connaissez pas encore. Et Et donc, après. on est arrivé quand sur la station avant de descendre là? Ça fait combien de temps qu'on était en poste? Alors, c'est pas précisé, donc vous me direz, en fonction de ce que vous avez envie, si vous étiez là depuis plusieurs semaines ou pas. C'est un avant-poste, Fort Nebraska. Ça veut dire que on y va pour repartir après. Et donc là, il y a beaucoup de vaisseaux militaires qui étaient venus pour après repartir, essayer de récupérer le système Signi qui avait été annexé par l'UPP. Du coup, il y en a qui sont peut-être juste de passage. Ça veut dire qu'ils sont venus pour repartir, mais il s'est passé quelque chose qui fait qu'ils se retrouvent dans l'ascenseur maintenant en train de descendre et à devoir accepter une autre mission que celle qui était la leur à la base, quoi. C'est là que je suis désolé, hein, c'est là que j'ai un peu de mal parce qu'en fait, on fait partie du corps des Marines. Du coup, on n'est pas indépendant. Enfin, on doit venir là, on doit avoir un ordre de mission pour arriver là. On n'arrive Oui, pas par là on est hasard. venu vous chercher et c'est la capitaine Silva qui vous a demandé Mais de attends, vous on est suivre. dans un ascenseur là. Voilà. Et Ok, c'était juste une aparté, mais c'est pour mais comprendre le contexte. elle vous a demandé de venir, mais elle ne vous a donné voilà, c'est les ordres, quoi. Mais Ok. elle ne vous a donné aucune mission. Ça veut dire que vous avez été pris, choisi, et vous redescendez sur un Arrcus. D'accord, ça marche, pardon. L'ascenseur est énorme. Il fait à peu près une vingtaine de mètres de longueur sur une quinzaine de mètres de largeur. Vous êtes presque perdu dans cet ascenseur. Si vous êtes éloignés les uns des autres, forcément, vous ne vous voyez pas tous. Ou en tout cas, tous très bien. Certains essayent peut-être de se cacher. Mais si vous voulez. Dire quelques mots, les uns avec les autres, enfin, vous pouvez déjà le faire, vous pouvez déjà échanger. Vous pouvez même échanger avec les deux PNJ qui sont ici avec vous, c'est-à-dire le capitaine Silva et Zminaski. Moi, je n'ai aucun mot à dire. Moi, j'ai un cigare dans la bouche, qui n'est pas allumé, quoi, mais C'est vrai que voilà. tout le monde a l'air. Ça me permet Enfin. de me calmer. Ouais, les gens ont l'air tendus quand même.
On est armé là? Oui, vous avez votre équipement. On vous a demandé de prendre votre équipement. C'était l'équipement avec lequel vous deviez partir. Votre paquetage complet, quoi. Donc on peut imaginer, vous avez votre sac, vous avez tout ce qu'il faut, quoi. Eh ben moi, j'astique mon arme. Et vous avez vos gilets pare-balles. Sauf Chaplain. Il y a un truc beaucoup plus léger, qui a une sorte de parka, mais beaucoup moins blindé que les grosses plaques qui vous recouvrent les grosses plaques de Kevlar, on va dire, qui sont en dessous de votre gilet blindé. Non, moi j'ai pas grand chose à dire, sinon j'astique mon arme et je jauge les gars et les nanas qui sont dans l'ascenseur, quoi. Moi j'en profite pour vérifier les communications, est-ce qu'on peut se parler les uns les autres, vérifier si les caméras fonctionnent et si je reçois bien, je fais des tests. Ouais, alors tu peux, bon. tu peux voir, mais bon, pour le moment, elles sont pas encore calibrées, mais tu peux demander à ceux qui sont avec toi de calibrer déjà vos communications. On a déjà un micro, là, test, vous me recevez. Oui, vous avez tout votre équipement, donc vous pouvez communiquer, si vous voulez, déjà comme ça, pour voir si ça fonctionne. Ouais, je teste la communication. Est-ce qu'on est uniquement relié avec ceux qui sont dans l'ascenseur là, ou est-ce qu'il y a un poste de contrôle, un CO, un central opération sur la station qu'on quitte là? Oui, alors la station que vous quittez là, celle qui était en hauteur, il y a 200 Marines qui sont quand même restés. D'accord, et donc on est en communication avec eux justement? Micro et casque? Micro non, mais vous pouvez, il y a un terminal sur lequel tu peux communiquer, quoi. Après, t'as aucune par là, raison de faire. Ce qu'on va dire avec les autres, avec les personnes dans l'ascenseur et les images, elles sont pas envoyées. Et puis ailleurs, tu choisis le canal que tu veux, donc. D'accord. Si tu mets, okay. Et on a, c'est toujours pareil, système de com avec des tablettes, des. Voilà, c'est ça. C'est ça. Okay. Vous avez et vous pouvez voir les signes vitaux des uns et des autres. C'est surtout Chaplain qui a un truc un peu plus évolué qui lui permet de voir les constantes vitales de chacun. Et d'intervenir. Ah, on est directement relié, on a des senseurs qui sont reliés directement à. Oui. D'accord, il est capable de savoir si en gros on est stressé, si on est malade, si on est. Voilà. Je vois que Hammer est un peu stressé du coup. Je sais pas, vous allez faire tous un test d'esprit, sauf Chaplain, bien sûr. On va voir quel est le niveau de stress pour chacun. Parce que c'est vrai que le fait. Vous étiez parti pour quelque chose et là, on vous oblige à redescendre sur arrière-cuve pour une mission dont vous ne connaissez rien. Vous avez loupé le coche, entre guillemets, parce que vous deviez partir et. Vous n'êtes pas parti, quoi. Donc, d'une certaine manière, vous êtes en faute professionnelle, tous autant que vous êtes. Sauf, bien sûr, Silva, qui est venu vous chercher, que vous ne connaissez pas plus que ça. Mason, t'es stressé. Hein. T'es stressé, donc tu peux déjà te mettre un point de stress. Et Hammer aussi. Donc, tu vois que Hammer est stressé, effectivement. Ouais. Ça se voit peut-être pas, ouais. Pas mon visage en tout cas. Alors pour cliquer sur esprit, c'est où déjà? Là, je vois. Tu cliques sur la compétence. En fait, c'est pas la compétence, c'est l'attribut qui est au milieu. Donc tu peux cliquer. Ah non, ok, c'est bon. Ce scénar va être dur parce qu'avant on était stressé en cas d'échec. Maintenant, c'est si on réussit pas qu'on. Ouais. Là c'est pour juste pour voir votre état d'esprit, donc pour Dante ça va, c'est relativement calme. J'ai mis la sécurité sur mon arme. Ouais. Un on test respire. De communication, vous me recevez tous? Test. Ouais, c'est bon. Très bien, très bien, tout va bien aller, Mason, tout va bien. Je donne un petit coup de coude à. Je donne un petit coup de coude à Hammer et je lui fais un signe avec le pouce. En souriant pour le détendre. Ouais, je te regarde, je grogne. Ouais. Moi, je vérifie tout mon équipement, c'est un peu pas serein. T'sais. Je me dis qu'est-ce qu'on est encore parti foutre là-bas. Je vérifie tout le matos, je vérifie mes armes, je vérifie. Enfin, voilà, j'essaie de me mettre en confiance en apprenant le fait que j'ai un équipement fonctionnel. Tu vois. Mmh. Mais quand si t'as les yeux qui tombent sur moi, tu vois que je te regarde en clignant des yeux doucement pour te faire comprendre que tout va bien. En souriant.
Du coup, moi, je regarde le. Je suis, tout en expliquant mon âme, comme je disais, je suis la descente de l'ascenseur. Là, je regarde autour de moi ce qu'il y a, quoi. Ouais, donc vous vous rapprochez de plus en plus de, bah forcément de la Lune, donc tout s'agrandit, et maintenant vous voyez même la ville qui est juste en dessous de vous. Une ville qui a l'air très grande, mais bizarrement tout n'est pas allumé, alors que pour vous, on est, on va dire, en milieu d'après-midi, quoi. Donc logiquement, il devrait avoir de la vie, parce qu'on vit quand même au rythme du jour et de la nuit. Et donc, mais vous voyez que d'après la ville a l'air, on va pas dire tentaculaire, mais elle a l'air assez importante, mais les lumières qui l'éclairent sont assez limitées. Il y Attends, en la ville est a. importante alors que tu as Ouais. parlé de 200 colons, c'est ça? Alors non, 200, c'est le nombre de Marines Ah, qui c'est les restent Marines dans le en truc haut, du haut, ok. voilà. Restaient, qui ne sont pas partis et qui restent pour la maintenance de Fort Nebraska, en tout cas à l'étage supérieur. Ah ouais, Vous jolie avez ville. vu aussi des vaisseaux qui sont là encore et qui patrouillent. Mais alors que l'ascenseur arrive, vous voyez que le gros de les derniers vaisseaux de la flotte, on va dire, sont en train de partir et s'engager dans l'espace profond pour atteindre la vitesse subluminique et puis et disparaître enfin, vers le système proche de Cygni. Quels Pierre est sont les grades proche, là, mais. à part le capitaine Sylvain? Oui, alors les grades, j'avais pas fini. Du coup, c'est. Après, il doit avoir Yona qui est sergent. Si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, ouais. Et Mason doit être gradé aussi. Regardez. Peut-être première classe. Regardez. Petit grade. Mason et sergent aussi. Et donc ça veut dire que Dante et Hammer Et sont... Dante est première classe, Hammer doit être seconde classe, et le Znijewski est seconde classe aussi. Et est-ce que par rapport à nos galons, ou en tout cas nos insignes, est-ce qu'on peut savoir si il y a des spécialistes? Clairement, on voit tout de suite que toi, ce que tu portes dans le dos, ça passe pas inaperçu. Même si c'est sous housse, tout le monde reconnaît qu'il y a un fusil de sniper qui se cache derrière ton dos, quoi. Vu les armes que trimballent les autres, pareil, ça passe pas inaperçu. Et Hammer et Dante possèdent des armes lourdes, de mitrailleuses pour Hammer et. Dante est capable de vous envoyer une roquette quelque part. Donc c'est de l'artillerie lourde, quoi, on va dire. Enfin, pas lourde, mais c'est de l'artillerie, quoi. Et Mason fait partie des communications ou pas? Mason, tu vois son équipement et à sa tenue que il pourrait plus avoir une tenue de. Comment on appelle ça, de personnes qui vont sur des lieux qui pourraient être irradiés, tu vois, que ce soit chimiquement ou NBC, voilà, un expert MBC, voilà, c'est scientifique. ça. Voilà. Donc il a une tenue un peu plus claire que la vôtre. ACDC. NBC, NBC. nucléaire, bactériologique, chimique. Voilà. Ah, ok. Donc vous voyez, la ville est assez grande. Et quand vous la voyez comme ça, vous voyez comme je vous ai dit, il y a beaucoup de lieux qui sont pas illuminés. On pourrait estimer la population à 200 000, quoi. C'est une sacrée colonie. Mais avec les lumières, ça restreint quasiment à un dixième des 200 000 qui est allumé, quoi. Vous avez l'impression que. Beaucoup d'endroits et de quartiers sont laissés complètement à l'abandon. Ben c'est bien ici, ils font des économies d'énergie. Il doit plus Et avoir grand pendant que tu monde. dis ça, je regarde Sylvia là, Sylva. C'est normal?
Oui, c'est normal. La population a sacrément chuté. Depuis que c'est l'armée qui a repris les champs pétrolifères. Avant, c'était chacun possédait son petit lopin ici, et les gens pourraient le pétrole à qui mieux mieux, et c'était revendu dans tout l'espace à ceux qui pouvaient en acheter. Enfin. Et puis après, il y a eu la guerre du pétrole. Enfin, je suppose que de toute façon, je vous apprends rien, vous y étiez aussi, tout comme moi. Ouais. Si ceux qui volent dans l'espace n'ont pas besoin de pétrole, tout ce qui roule encore sur les planètes, on n'a pas changé notre méthode de fonctionnement. Il nous faut de l'hydrocarbure, et c'est toujours le nerf de la guerre. C'est tout ce qu'après. Tout le monde court après. Et l'UPP est les premiers. C'est toujours C'est la la même première fois que histoire. vous le descendez sur Ariarcus aussi ou? Non, j'y suis déjà depuis un moment. Vous pouvez faire un test d'observation en la regardant, elle. Connaissez le Major Hatfield? Vous l'avez déjà rencontré? Oui, bien sûr, je le connais. Je le connais très bien. Vous avez une idée sur la J'ai été mission? sous ses ordres pendant très longtemps. On faisait partie des mêmes compagnies. Vous savez ce qu'on fout là? Dante, tu vois qu'il y a un écusson que tu reconnais. L'écusson, c'est les Rédempteurs. Donc, c'est l'élite des Colonial Marines. Donc, la femme que tu as devant toi, elle a déjà fait des missions très compliquées, très difficiles. C'est une pointure dans son domaine. Mission spéciale, on va dire. Oui, très, très secrète, on va dire. Très top secrète. On parle de Yona là. Non, on parle de Sylvain. Sylvia. D'accord. Et qu'est-ce qu'on fout là? Vous le savez? Oui, je le sais, mais vous posez trop de questions. Vous allez voir le major, c'est lui qui vous dira tout. Ah, vous n'êtes pas habilité pour ça donc. Non, mais je respecte les ordres. Et elle te regarde. J'espère que vous serez à même de le faire vous aussi. Bah, je suis qu'un troufion, moi. Ouais, c'est ça, tu l'as dit, t'es qu'un troufion. Donc j'attends que Et tu m'obéisses au doigt et à l'œil. pendant qu'elle me dit ça, là, j'agite encore plus frénétiquement mon arme. À mon avis, il y a la jauge qui augmente chez Chaplin. Chaplin, toi, quand t'as regardé Hammer, t'as vu qu'il avait des traces de coups au niveau du visage. Sans doute, comme s'il avait la pommette gonflée, tu vois, comme s'il avait reçu un coup, quoi. Intéressant. Oui, c'est récent. C'est récent. Ça a pas encore bleui, tu vois, tellement que c'est récent. Bagarreur. J'observe, mais j'en fais pas plus état que ça dans ce que je lui montre. Reste avenant. Vous vous dirigez vers le point central de cette colonie d'Ariarcus. Et en fait, le point central, c'était ce qui était à la base, ce qui a permis de terraformer la planète et qui a été transformé en fort militaire. C'est maintenant le fort Nebraska. L'ascenseur s'enfonce dans les entrailles de ce fort qui a une forme qui pourrait faire penser à un pentagone. Vous ne restez pas en surface, très vite vous voyez que l'ascenseur s'enfonce dans les entrailles de la Terre, mais se stabilise au niveau moins 1 assez rapidement. Et Sylva, allez, venez. Vous voulez voir le major, vous allez le voir. J'ai hâte. Alors que vous sortez, vous êtes tout de suite cueilli par le froid, quoi. Ariarcus est une lune glaciale. Et c'est un désert glaciaire qui recouvre toute sa surface. On va forer en profondeur pour récupérer le pétrole. Dites-moi, Hammer, cette impatience, ça ne nous a jamais posé de problème en mission?
Pourquoi donc? Pourquoi j'aurais des problèmes, moi? Moi, j'ai jamais de problème. Oh, simple question. Bah, pourquoi j'aurais des problèmes? Si je suis là, c'est que... Allez, les gars, concentrez-vous un peu, là. C'est pas le moment de vous prendre la tête, là. On se prend pas la tête. Non, non, simple prise d'information. Et du coup, si on ressent le froid, c'est que c'est une base c'est ouverte, que... en fait. On... Ouais, là, vous êtes au-dessus. Là, vous êtes, ouais, ouais, c'est clairement respirable. Ça a été terraformé, donc on peut respirer à l'extérieur. Mais il fait froid. Là, la température doit être certainement de moins 10. Et on le ressent malgré toutes les couches qu'on a sur nous, quoi. Oui, oui, vous le ressentez. Vous ressentez moins 10 degrés. Alors après, ça vous empêche pas de... Ça vous empêche pas de vivre, hein. Mais, voilà. C'est pas, vous êtes pas à votre aise quand vous êtes au dehors, quoi. Il fait moins 10. Et... ceux qui sont déjà passés par Arcus savent que les températures peuvent descendre jusqu'à moins 20, moins 25 assez facilement, quoi. Donc, quand donc on c'est l'été, là. Quand tu dis qu'on s'enfonce au niveau moins 1, en fait, c'est pas du tout une base fermée, c'est une base complètement ouverte. Ouais. Bah, c'est, voilà, ce que vous avez vu, de moi, c'est ce que vous avez vu en arrivant, en descendant, quoi, que vous enfoncez, mais après, vous voyez quand même ce qu'il y a au-dessus. On vous emmène très vite dans un dédale de couloir et vous avez du mal à vous repérer. Vous n'êtes jamais allé de ce côté-là. Vous êtes allé ici, certains y sont déjà allés. Vous voyez qu'il y a des véhicules qui peuvent être soit terrestres ou soit aériens sur lesquels on fait le plein. Il devait en avoir beaucoup plus certainement avant, mais là vous voyez que ça court un petit peu dans tous les sens. Bon, c'est certainement les derniers véhicules qui vont s'envoler. Et vous allez rester ici. Parce que on vous emmène dans le bureau du Major Hatfield. En arrivant en bas, est-ce qu'on a ressenti une tension d'alerte ou une tension de base normale au final D'alerte, ouais, ça bouge beaucoup. Mmh. Et Sylva, elle dit, on est en train d'évacuer, vous le savez. C'est pas parce que vous partiez que ici nous allons rester. L'intégralité de la colonie doit être évacuée, enfin devait être évacuée. Mais venez avec moi. Je note son devait être. Dans le bureau de Datfield, un homme vous tourne le dos. Casquette, moustache, il se retourne. Il vous regarde, des yeux perçants. Il semble presque déjà savoir qui vous êtes, ou en tout cas quel soldat vous êtes. Ensuite, Sylva fait ce que vous ne faites pas et se met directement au garde à vous sans claquer ses talons. Et dit garde-vous. Je m'exécute. Je m'exécute aussi. Bien évidemment. Et donc, la petite équipe se met au garde à vous. Il vous regarde, il fait très bien, un repos. Je vous ai fait venir ici. Il s'est passé quelque chose, et j'ai une mission pour vous. Vous avez tous entendu parler de la guerre du pétrole, et je sais que la plupart d'entre vous ont combattu en première ligne pour les Amériques unies et l'Empire des Trois Mondes, et même l'Union des Peuples Progressistes se sont affrontés pour les réserves de pétrole qui se réduisaient comme peau de chagrin. Ici, vous êtes sur une lune qui est riche en pétrole. Mais nous allons devoir la laisser tomber, en tout cas pour le moment, tant que nous n'aurons pas vaincu l'UPP dans le système Signy. Trop de front et pas assez de bidasse, toujours le même dicton. La paix est fragile, mais elle n'est bientôt plus une illusion. Bientôt les fronts seront trop nombreux, et la guerre sera inévitable partout.
Même ici. Vous n'êtes pas sans savoir que les insurgés attendent impatiemment que l'UPP arrive. Il reste encore, allez, peut-être 2000 personnes évacuées. Mais sur ces 2000, combien veulent vraiment partir? Je ne suis pas sûr qu'il y en a même la moitié. La plupart sont au Stasioport. Ils attendent d'être évacués. Mais l'évacuation a été stoppée. Comme je vous disais, il s'est passé quelque chose. Vous voyez que il a une main qui repose sur un sabre d'infanterie, qui doit dater d'une autre époque. Et il n'a qu'une main. Son deuxième bras est en écharpe. Certainement une blessure. Il a l'air assez âgé, ce Master Radfield. C'est vraiment qu'il aurait dû partir lui aussi à la retraite depuis longtemps. Oui, c'est une maison spéciale sur ce que je vais vous confier ici. Enfin, que je vais vous confier à Capitaine Silva. Et vous allez devoir la seconder au mieux. J'ai une petite Écoutez-moi grimace. Bien. Toutes les informations que vous allez entendre sont classées top secret. Ce qui signifie qu'en dehors de vous, tout le monde est exclu de la confidence. Vous avez pigé ? Reçu. Oui, Major. À 2h00, une escouade de 4 Marines a déserté la base avec des données secrètes. Des données qui, entre de mauvaises mains, pourraient avoir des conséquences mortelles à la frontière. Des données que nous ne pouvons tout simplement pas laisser à l'ennemi. Le commandement pense que les déserteurs projettent de contacter les insurgés de la Lune et de passer à l'UPP. Nous recherchons les dénommés Vodjik, Carvalho, Wright et Reese. Et il clique sur le bouton d'une télécommande et un panneau lumineux juste derrière lui s'illumine des visages des personnes qui sont recherchées. Est-ce que ça nous dit, enfin, est-ce que ça me dit quelque chose, ces têtes ou non. Et moi, j'ai une connaissance des... Non, aucun ne connaît ces personnes qui vous sont présentées. On voit sur dans les images s'ils ont des choses qui sont repérables, type insigne, fonction... Oui, tu peux déjà voir ce genre de choses. La première chose que tu remarques, ce sont toutes des femmes. Ah, c'est l'évidence qui vous saute aux yeux en regardant ces images. Et tu remarques le même écusson que tu vois toi, Dante, tu as vu sur Silva. Et c'est le même écusson qui apparaît en grand sur un mur, une sorte de drapeau qui est là avec un aigle. Et qui est le symbole des rédempteurs. Ça nous parle, ça ? Les rédempteurs... L'écusson que vous voyez, vous savez que c'est un écusson d'une compagnie qui est très réputée, quoi. C'est la crème de la crème des Colonial Marines. Donc c'est ce qu'on fait de mieux, quoi. Et donc, la personne que vous avez en face de vous en fait partie. Et est-ce que le Major Hatfield en fait partie? Je regarde s'il a cet écusson également. Il ne l'a pas sur lui, mais vu le drapeau qu'il y a dans le bureau, ça te fait supposer que oui. Major, pourquoi elles ont... Quelles sont leurs motivations? Quelles sont ces données?
Je ne peux pas vous en dire plus. Ce sont des données top secrètes. Vous savez ce que vous devez savoir. Et elles sont sous quelle forme? Ce sont des connaissances. C'est une troupe d'élite que vous avez ici, en face de vous. Vous pouvez voir Ah oui, leur sale d'accord. gueule. Toutes Mais les de toute façon. informations, de toute façon, concernant ces personnes sont top secret. Donc vous n'en saurez pas plus. C'est une troupe d'élite. Il faudra agir avec beaucoup de précautions. Vous avez été choisi pour vos compétences, pour votre grade et parce que vous étiez disponible. Vous formerez l'équipe Charlie. Alors moi j'avoue que quand il me dit qu'il va falloir agir avec précaution, je me demande ce que je fous là, quoi. Moi aussi, je me demande ce que tu fous là. Qu'elles vont se montrer hostiles. Si je t'entends, tu verras mon doigt, le troisième. Je veux que vous trouviez ces déserteurs pour moi, que vous vous assuriez de leur identité ainsi que de celle de tout autre trou du cul à qui ils auraient transmis des informations et que vous me les rameniez. Est-ce que les caméras de contrôle ont pu relever, disons, leur dernier passage? Ils ont emprunté un véhicule, quoi que ce soit? Il te regarde et il ne répond pas. Mais dites-moi, Major, à part cette base, je vois pas où est-ce qu'ils peuvent aller. La planète n'est pas La habitée. planète n'est pas habitable, mais la colonie d'Ariarcus est grande. Peuvent se trouver n'importe où, mais ils chercheront du soutien, c'est obligé. Ils ne peuvent pas s'en sortir seuls. Donc on a la certitude qu'ils sont restés en ville, enfin qu'ils sont restés dans la zone habitée. Il n'y a que cette zone ici. Il n'y a Et rien l'avant. d'autre sur cette planète. Et le soutien auprès enfin, de partisans de l'UPP? Ce sera à vous de les dénicher. Ils se cachent, bien sûr. Nous luttons contre eux depuis déjà fort longtemps. Bien sûr, ils sont des traîtres à la cause. Et vous aurez le devoir de les éliminer ou de les arrêter en fonction des situations. Donc mort ou vif. Il répond pas. Et depuis quand elles ont disparu? Enfin, elles ont fait défection. Ils ont disparu depuis hier. C'est pour cela que nous avons stoppé l'évacuation. Elles risqueraient de s'enfuir. Tout le monde est coincé ici maintenant tant que nous ne les avons pas retrouvées. Je coordonnerai les opérations depuis Fort Nebraska. Toutes les communications passeront par moi, à travers un canal sécurisé. Il vous sera donné par le capitaine Silva. Et tu vois que Silva, elle te regarde en faisant un sourire. Mason d'un air de dire tout ce que tu as fait, tu l'as fait pour rien, parce que c'est elle qui va donner Exact. les La canaux fréquence du sécurisés et la canal. fréquence. Je leur ferai. On a une idée de contact qu'ils auraient pu avoir. Il ne reste plus grand monde ici, sur Ariarcus. Je vous dis, presque 2500 personnes peut-être, dont une partie attend au spatioport d'être évacuée. Essentiellement des civils. Essentiellement des civils, des ouvriers, oui. Les militaires partiront dernier, mais nous partirons aussi. Donc en gros, si C'est je le résume, tant qu'on colonel les a pas Meyers trouvés, qui nous donne l'évacuation est les annulée, ordres. quoi. Et effectivement, vous avez tout compris. Nous n'avons pas énormément de pistes, mais je suppose que des soldats comme vous seront débusqués là où ils ont pu aller se cacher. Et quels sont leurs moyens pour éventuellement quitter les lieux? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore des navettes en état de fonctionnement, des... Il y a une navette au spatioport. Elle est clouée au sol en attendant les ordres de pouvoir repartir. Bien sûr, ici à Fort Nebraska, ils ne pourraient plus rentrer. Il y a des navettes, mais pas des navettes qui nous permettraient d'aller dans l'espace. La seule navette qui est ici et qui permettrait encore de rejoindre l'espace est située au spatioport. Bien sûr, elle est gardée par des Marines qui ont reçu des ordres. Marines, vous Mais êtes sûr qu'ils ne pourraient pas faire défection? ce sont des Marines. Quand Ouais, il dit comme ça fait ça, on partie, ouais, sent... comme les qui sont barrés, quoi.
Rappelez-vous que l'endroit grouille d'insurgés, quel que soit là où vous irez. Je vois que certains d'entre vous ne s'attendaient pas à ce genre de mission, mais vous attendez à quoi? De toute façon, vous partiez en guerre, donc c'est une mission comme une autre. Mais ici, c'est une guerre qui ne dit pas son nom. Parfois, c'est plus facile de foncer dans le tas. Mais dites-moi, Major, est-ce que vous avez la garantie, la certitude que justement les quatre personnes, enfin, je ne rappelle pas leur nom exactement, mais qui ne pourraient pas prendre une navette et décoller d'un autre point que le spatioport? C'est Parce que impossible. Si vous venez à décoller ailleurs, est-ce que vous les repériez? Il n'y a pas d'autre vaisseau disponible. À votre connaissance? À ma connaissance, et ma connaissance est certaine. Tous les vaisseaux sont enregistrés, et tout ce qui pouvait décoller ne peut pas le faire. Elles ont de l'aide de l'extérieur? Connue? De l'aide de l'extérieur? Oui, je ne sais pas. Ici, c'est une base militaire, et c'est une colonie militaire. Le pétrole qui est exploité encore aujourd'hui n'est fait que pour les Colonial Marines. Et est-ce qu'on doit récupérer justement c'est sous quelle forme? Sous forme logicielle, papier, enfin. Ce sont les personnes que vous devez récupérer, ce sont elles qui connaissent les informations, ce sont elles que vous devez ramener. Ouais, donc c'est bien ce que je vous demandais, en fait on les ramène vivantes, on peut pas les ramener mortes. Vous m'avez pas répondu quand même. Ouais. Parce que c'est pas la même mission du coup. Il faut ramener leur tête. Bon, j'ai compris la mission, il faut éviter toute expansion de cette information. Oui, vous avez, s'il le faut, l'autorisation d'employer la force létale. Si votre vie est en jeu, vous pourrez vous défendre, et vous le devez. Est-ce qu'elles ont pris un équipement particulier avant de déserter? Non, elles auront les armes qu'elles avaient avec eux, mais rien de plus. Et c'est sans doute le strict minimum. Et je suppose que les munitions qu'elles avaient doivent sérieusement être diminuées maintenant. Est-ce que le fait que ce soit quatre femmes, c'est du pur hasard ou est-ce qu'il y a une raison? Vous avez beaucoup de questions, Mason. Ah, on part en mission. Si vous voulez qu'on la remplisse correctement, il nous faut les informations. Ce sont des femmes et des militaires. Vous pourrez les remarquer facilement, je suppose. C'était pas ma Après, question, ce sont mais je dégradés. Comprends. Des marines avant tout. Ce sont des marines avant tout et des soldats avant tout. Pendant que je sais ce que vous pensez, et il faut que vous sortiez ça du crâne. Ces salauds ne sont plus des marines. En tout cas, plus vraiment. Ce sont des traîtres maintenant. Et assez dangereux pour qu'on se chie dessus, rien que d'y penser. Vos ordres consistent à me les ramener en vie si vous pouvez, mais s'ils représentent une menace évidente et immédiate, vous les canardez et vous tirez pour tuer. Je me suis bien fait comprendre. Oui, Je major. Pose la deuxième fois la question. À vos ordres, Major. Je sais que vous n'avez jamais travaillé ensemble. Mais je vous ai amoureusement choisi, un par un, parce que je savais que vous étiez les meilleurs dans vos domaines. Alors réglez-moi ça et qu'on n'en parle plus. Vous inquiétez J'imagine. Pas, on va régler ça à notre manière. J'imagine que le temps est contre nous, c'est cela? Que l'évacuation doit reprendre le plus rapidement le possible? Le plus rapidement possible, c'est une poudrière. Nous sommes assis ici sur une poudrière, et plus le temps va durer, plus ceux qui nous sont loyaux risquent de se retourner. Et plus l'UPP voudra en venir aux armes. Et une fois en qu'on tout les cas, a, on les sympathisants. Ramène où? Vous les ramenez ici, à Fort Nebraska. Comme je vous dis, je serai votre unique interlocuteur, donc c'est à moi que vous rendrez des comptes. Faites-le aussi souvent que vous le jugez nécessaire. Qui peut nous renseigner sur la direction qu'ils auraient prise? Vous êtes des Marines. C'est la base, vous trouverez. Ils ont bien été vus au départ, l'endroit.
D'ailleurs, je regarde autour de moi, il y a des caméras dans les lieux? Non, pas forcément. C'est une base militaire, hein, il n'y a pas forcément de caméras. Enfin, j'imagine que dans le bureau du Major Hatfield, non, mais... Non, t'en as pas vu en arrivant, les couloirs que t'as empruntés, il n'y a pas de caméra. Et Major, vous croyez que ces quatre-là sont un cas isolé ou... Pas qu'à isoler, oui. Les Maris ne trahissent pas. Est-ce qu'ils avaient, je sais pas, des revendications politiques? Bien entendu, sinon ils ne chercheraient pas à rejoindre les insurgés. Mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est la mission que je vous donne, et c'est ce que vous avez à accomplir. Leur motivation. Mon Carl Oignon. Et vous aussi. C'est bien compris? J'ai rien entendu, c'est bien compris, bordel? Oui, Oui, Major. Oui, Major. Merci, Major. Voilà, Marines. Alors à vos marques, formez les rangs et bougez-vous le cul maintenant. Bah, je le salue et puis j'évacue. Ouais. Moi, je me tourne et je sors. Silva, salut aussi. Oui, salut militaire, oui. Je On fais a salut au la major fréquence. Oui, je vous donne ça, la fréquence. Vous êtes. Vous êtes pressé, Non, je suis à Marines. Mason. Je suis à Marines. Nous coordonnerons une fois que nous serons dans le véhicule. Il y a un véhicule blindé qui nous attend en bas. Allez, qu'on aille chercher ces quatre Marines, ça devrait pas être compliqué. Effectivement, sur le chemin, elle donne la fréquence et vous pouvez vous coordonner. Elle essaye de parler avec Hatfield. Elle a un retour que vous n'avez pas, mais ça semble lui convenir. Attends, on est d'accord qu'on peut couper les micros, qu'on chaque fois qu'on parle, on n'est pas entendu, Ah quoi. oui, bien sûr. On peut choisir son canal. Oui, vous n'êtes pas écouté en permanence, hein. Ça veut dire que vous pouvez couper votre canal avec Hatfield et puis tout le temps, et puis entrer en communication avec lui pour faire un rapport. D'ailleurs, c'est ce que Silva va faire. Mais par contre, entre vous, vous êtes toujours en communication. Si vous le Donc voulez. Sylvain vient avec nous. Silva vient avec vous, J'allais demander, ouais. c'est C'est la elle qui chef. dirige l'opération. Ouais, mais elle aurait pu juste nous accompagner ici, nous mettre en relation, puis après faire venir. Il y Non, avait fait le commerce. aussi Ouais, il y un autre a. Marines. Ouais, il traîne un peu la patte, il est derrière. MGSK, là, je sais pas quoi. Il fait des renvois un petit peu bizarres. Ouais, il a l'air sous substance, ça c'est sûr et certain, quoi. En tout cas, sous l'effet, sous l'alcool, sous alcool. Mais ça n'a pas l'air d'inquiéter plus que ça, Silva. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous me regardez comme ça? On est parti. Ça va swinguer. Alors moi, ce qui m'emmerde très clairement, c'est que le gars, il a quand même un nom russe. Je lui dis. Non, mais je le pense. Nejemski, tu vois, j'imagine pas que ce soit très américain. Et voilà. Et je sais que l'UPP. Il y a déjà nombreuses générations de noms à consonance russe. Oui, mais moi, c'est comme ça. Oui, il y a un melting pot phénoménal de toute. Encore plus que ce maintenant, quoi. Donc, c'est. Le monde s'est mélangé, mais c'est vrai qu'il reste quand même des noms qui ne laissent pas indifférent. Forcément, si vous allez avoir des noms japonais, c'est. Voilà. Dites-moi, capitaine, vous les connaissiez, je suppose, les cibles? Oui, je les connaissais. J'ai travaillé avec certains d'entre eux, mais pas tous. Il y a la chef d'escouade, Amelia Vojzik. Certainement, sera la plus à même de nous poser problème. C'est une sergente. Quand t'as dit la Après. chef d'escouade, ça veut dire qu'elle était sous ses ordres, Sylvain? Non, Silva avait sous ses ordres. Non, elle était Oui, c'est sergent. ce que je disais, Elle était ouais. sergent. Un peu bah, comme Mason et puis Yona. D'accord. Les autres, Carvalho. Lui est un soldat de première classe. Enfin, est une soldat de première classe.
White et Caporal. Et Reese aussi. Ouais, bah on est loin du groupe d'élite qui nous a présenté le major, du coup, si c'est que des premières classes. Je oui, comprends pas l'idée. Mais les premières classes d'un groupe d'élite vaut certainement ouais, reçu, ouais. Les sergents de vos précédentes unités. Mais du coup, capitaine, vous qui les avez commandés, vous n'êtes pas surpris justement par leur défection? On est toujours surpris quand un marine se trahit, mais ça peut arriver. Passe au combat, qui sait, peut-être qu'elles ont eu peur, peut-être qu'elles se sont dit que c'est une guerre de trop. Je ne suis pas dans leur tête et je ne suis pas payé pour réfléchir, je suis juste payé pour exécuter les ordres qu'on me donne. Les ordres qu'on me donne, c'est que ces personnes ont trahi et qu'elles doivent être mises aux arrêts. De gré, de force, où nous ramènerons leurs cadavres. Et elles ont des relations, ces salopes? Des relations? Vous voulez dire quoi? J'en sais rien. Des mecs. Des gens sur qui faire pression, quoi. Je ne sais pas, je ne les connaissais pas plus que ça. Peut-être. Vous êtes en poste ici, sur la base, depuis combien de temps? Il y a un véhicule qui vous attend, dont on fait le plein. Tu vois qu'elle te répond pas. Elle esquive la question en ouvrant la porte. Et elle fait un conducteur. Je montre le véhicule hein, qui est en train de rouler. Vous le reconnaissez, c'est le même qu'il y avait dans le Aliens, le film. Vous voyez que celui qu'on il a ma fille, vous a d'ailleurs. Confié, ouais, celui qu'on vous a confié est tout cabossé. Quoi. Il a bien, bien vécu. Quoi. Lui aussi, il est rentré dans un truc. On imagine que le meilleur équipement est parti pour la guerre et que ceux qui restent ici, c'est bah, les rebuts, quoi. Enfin, ça roule encore. Mais tant que ça roule, on peut le faire rouler. Vous croyez que c'est en état, ça, pour rouler Bien sûr que c'est en état. Ça a été révisé il y a peu. De toute façon, Chaplin nous dira que si c'est en mesure de rouler. Et si ça ne roule pas, nous en prendrons un autre. C'est pas grave. Dans tous les cas, il faut accomplir la mission. Nous n'avons pas le choix. Je fais un diagnostic rapide, au moins visuel. Mmh. Alors, tu peux te connecter à ce genre de véhicule, au tableau si de bord. Je sais comment faire, effectivement. Du coup, après, tu as toutes les informations de conduite qui t'arrivent. Tu as le plan de la ville. Tu es le plan de la ville, bah, de toute façon, Chaplin passe partout. Lui, c'est... Les habilitations, ouais. Il y a du don. Donc, ça se télécharge en toi, on va dire, le plan d'Ariarcus. Quand il voit des informations comme ça, enfin, les androïdes, ils voient ça. Enfin, ils ont une sorte d'écran. Enfin, on voit leurs yeux qui partent ailleurs. C'est un ordinateur. Hein. Donc, après. Non, mais quand les données transitent, je veux dire. Quand les données transitent, il y a des oui. signes. Alors visibles. Après, c'est pas des données de. Là, c'est pas des données de fou. Hein. Donc, ça se voit. C'est quelques secondes. Hein. Donc, ça se voit même pas. Quoi. Ok. Et sinon, c'est visible d'un point de vue physique. Enfin, physique, si on peut dire. Si on faisait travailler à pleine capacité, ça se verrait certainement. Ouais. Okay. Mais là, pour charger un pauvre fichier de ville. Non, là, c'est, je te dis, c'est 2 secondes. Hein, et puis voilà, instantané. 3 MO. Donc, ici, on est d'accord, l'air est parfaitement respirable, ils ont mis une atmosphère. Oui, il fait très froid par contre. Donc je vérifie l'état du véhicule, histoire de rassurer mes camarades inquiets. Le véhicule est parfaitement en état de fonctionner. Il est vieillissant. On va faire attention, mais il va rouler et il vous emmènera là où vous voulez aller. Voilà. Et on a un chauffeur ou l'un de nous sait piloter ça? Tous ceux qui ont pilote peuvent piloter, même ceux qui n'ont pas pilote. Hein, vous pouvez tous conduire des véhicules. Après, forcément, dans des situations de stress où il y a des jets à faire... Bah, celui qui a du pilotage, il sera le plus en mesure de Ça sera de la de machine réussir, là Non, ça sera pilotage. Ah, pilotage, pardon. Ouais. Oui, en fait, ça, okay. toutes les données, que ce soit au vaisseau ou au véhicule, sont communes. Donc ça veut dire qu'on pilote de la même manière, ou presque, un véhicule terrestre qu'un truc qui va s'envoler.
Donc, du coup, c'est tout le monde peut le faire ou presque, quoi. Il suffit juste d'avoir de la réussite. Et puis, bon, forcément, si c'est la première fois que tu fais ce genre de choses, y aura un malus. Pour Chaplain, non. Mais pour les autres, oui. Si vous voulez prendre, je sais pas, moi, les Cheyennes qui sont dans la base, là, et qu'on voit en train de se faire le plein, si, bah, forcément. Le monde ne va pas pouvoir le piloter, sauf ceux qui ont pilotage. Ok. Vous pouvez faire l'essai, mais il y aura des malus, quoi. Mais ça peut marcher. Par C'est vraiment malentendu, entendu. les 6, ça peut le faire, on en a déjà vu. Pas mal. Tout cas, je leur fais un petit topo sur l'état du véhicule, comme tu l'as indiqué, pour qu'ils soient tous parfaitement au courant, puisque je les sens tous un peu Pressé, ouais. tendus. Vous pouvez faire un test d'observation. Tous? Oui, Voir que oui. ça. De l'espoir que ça les calme un peu. Et je m'adresse au capitaine Silva. Je me dis si je peux prendre le véhicule si vous le souhaitez. Bah Mason, il est. Faites, Chaplain, faites. Je fais un test d'observation aussi, du coup. Oui, tu peux aussi. Allez, embarquez, messieurs. Installez-vous. Je monte à l'avant avec Chaplain. Petite interruption, quand on était dans l'ascenseur orbital, les lumières de la ville, enfin le peu de lumière qu'il y avait, est-ce qu'elles étaient concentrées dans des zones particulières ou Oui, est-ce qu'elles sont... c'est plus dans le centre. C'était Ok. plus dans le centre, ouais. Ok, désolé pour le... Plus tu t'éloignes sur les extrémités, moins il y a de lumière, quoi. Il peut y en Ok. avoir, tu peux avoir un petit point perdu au milieu de nulle part, quoi. Mais c'est plus concentré sur les axes, quoi. Il y a un poste de tir dans le véhicule ou pas? Oui, il y a une tourelle. Je ne m'y installe pas, hein, mais. T'en as envie. Non, non, pas du tout. Je suis pas un spécialiste du gros trou. T'as tort. Parfois ça a du bon les gros trous. Donné. Bah, je te laisse la place, Hammer. Je pense que ça te démange. Contenir 13 passagers, ce véhicule. Donc il y a des à l'arrière il y a des sièges en face à face. Hein, donc quand vous vous asseyez, vous pouvez voir celui qui s'est assis en face de vous. Avec moi, ça fait 10, hein. Donc on peut mettre 3 personnes à l'avant et puis 10 personnes à l'arrière. Ah oui, Gatling et Plasma, ok. Donc si tu as un test de pilotage à faire, Chaplain, quand tu conduis ce véhicule, tu auras un bonus de plus 1. Il est automatisé ou il est manuel? Donc du coup, il est manuel. Ah, il est manuel, lui. Et ça peut aller jusqu'à 150 km/h, ce qui est pas mal. Bon, c'est clair. Tiens, d'ailleurs, la gravité sur cette planète, c'est quoi? Sensiblement la même que la Terre. Ok. Mais c'est souvent, y a souvent des vents violents, des bourrasques de vent. Et donc du coup, bah voilà, on peut être ralenti par le vent plus qu'autre chose. Il y a de la végétation? Aucune végétation, c'est désertique lunaire. Ok. On ne fera rien pousser ici. Je vérifie mes armes, en tout cas. Je mets bien sûr le cran de sécurité. Et voilà, je vérifie mes munitions. Tout est en Ok. ordre. D'accord. Oui, tout est en ordre. Mais on te voit. On voit Mason stressé quand même. Ça va pas, Mason? Ça va aller, ça va aller. Un Bah, petit coup de trop là, mais c'est ça va juste. passer, t'inquiète. Ça va passer, je vais me poser là, là. D'ailleurs, je me mets dans un petit coin, là. Enfin, dans un petit coin. Je m'assois sur le banc là, je mets les espèces de ceintures qui vont bien là pour me protéger, et puis je commence à me poser un peu et à souffler. À souffler, je vais C'est évacuer bizarre le cette micro-stress réaction. que j'ai chopé là. Ouais, Ben non, c'est pas bizarre, on va t'inquiète, récupérer 4 t'inquiète. Marines, c'est pas sorcier. T'as Ah, passé à des marines, ces c'est pas salopes? le Non, mais problème, faut arrêter là. t'inquiète. Un petit peu de fatigue, ça va passer, mais si tu me laisses pas, ça passera pas. Bon, laisse-le dans ton Chaplain, airbag. l'équipement de bord t'indique que, et ce que tu peux voir de toute façon toi aussi, et ressentir, c'est que il y a certainement une tempête qui se prépare. La force du vent à l'extérieur, les données qui t'arrivent sur le véhicule laissent penser que bon voilà ça la situation à l'extérieur va vite se dégrader, quoi. Tempête Une tempête, froide. ah oui, un blizzard. Ouais, d'accord. Je prends une cigarette, on peut fumer à l'intérieur, enfin, ça fait chier personne. Ah ben moi j'étais déjà en train de fumer, donc
Bah, j'allais t'en proposer une, ouais. Fumez pas trop près de l'agent, comment il s'appelle, celui qui a un nom russe. Nejemski. Fumez pas trop près de Nejemski, je te dis, dans l'oreillette. Pourquoi il va gerber? Hammer. Il a tu m'as fumer. Appelé comment, là? Le synthétique, là? Tu m'as appelé comment? Ouais, c'est Zmiedzewski. Ah, je m'excuse si j'ai écorché votre nom. Bah, le refais plus. Il a pas mis son module de langue, on se calme là. Sinon, t'auras plus l'occasion de t'excuser. Mais tu viens d'où, toi, d'ailleurs? Bah, et toi, tu viens d'où? Je viens du même trou du cul que toi. Oui, apparemment, on a le même grade. Ça dit rien du tout, quoi. Il insulte ma mère. Bon. Je me tourne vers le capitaine Silva. C'est parti. C'est vous qui avez choisi les autres membres de l'expédition, c'est ça? Plus ou moins, oui. On a fait avec ce qu'on pouvait. Ah, je comprends mieux. J'espère que... Bon, allez, allez-y, allumez. On y va. Je suis prêt. J'attends vos consignes pour savoir où nous nous rendons. Eh bien, nous allons sortir déjà de Far Nebraska, nous empruntons le tunnel, vous pouvez allumer les phares, nous partons. Et après, il faudra trouver où vous voulez aller, où nous voulons aller. Je pense que... Je ne sais pas, je... Ils ont pu se réfugier n'importe où, mais... Je commence à partir lentement en direction du tunnel. Ils ont pu se réfugier n'importe où. Mais ils doivent trouver du soutien. Donc il leur faut rencontrer des personnes. Je ne pense pas qu'ils connaissaient... des insurgés déjà de base ou qu'ils aient des liens avec des personnes. Les rédempteurs fonctionnent en vase clos et donc nous n'avons que peu de contacts, nous restons entre nous. Je ne pense pas qu'ils aient des contacts avec des personnes d'ici. Les contacts, ils devront les nouer, donc ils devront prendre des risques, peut-être se faire voir. On entendra parler d'eux si nous interrogeons des gens. Et toi, là, c'est Dante, c'est ça ton nom? Ouais. Ouais, j'ai compris que... T'es un des fourrailleurs, toi aussi. Moi, je suis là en général pour nettoyer. C'est étonnant qu'on m'ait confié cette mission. Ouais, moi aussi, quand on m'a dit que... Quand le major a parlé de... Avec précaution, je t'ai regardé aussi, mais bon. Non, mais franchement, quoi, précaution. T'as vu le lance-roquettes que t'as chez toi, là et... Bon, enfin, c'est une petite dernière mission pour moi, et puis après, c'est la retraite. Ah, t'es âgé à ce point-là? Non, mais... J'ai Je crois qu'ils vont te lâcher, toi. J'ai effectué une dernière mission, là, qui a un peu mal tourné, et du coup, voilà, je suis un peu en mode vétéran. T'es que première classe, hein? Tu comptes pas devenir sergent? Non, bon, mais je bénéficie d'une petite retraite anticipée. Alors tu peux voir quand même que sur sa veste là, à côté ou juste en dessous de là où il y a son nom, il y a plein de petits cœurs violets. Et vous savez tous ce que ça veut dire, c'est les blessures qu'il a subies au combat, quoi. Ah, il y en a plein, tu dis? Ouais, il y en a plusieurs, il y en a moins 4-5, quoi. Donc c'est il a morflé, quoi. Sur Hammer? Dante. Non, Dante. Dante. J'en ai aucun, moi. Il en a vu, quoi. Chaplin, tu peux vérifier le chauffage, s'il te plaît? Il ne s'agirait pas qu'on tombe en plein blizzard dans un truc qui chauffe pas, quoi. Non, ouais, oui, non, pas de problème. Le chauffage est vérifié, de même que l'état général du véhicule. Tout fonctionne bien. On risque d'avoir une tempête, un blizzard qui va souffler très fort à l'extérieur. Donc profitez bien du petit confort douillet dans lequel vous êtes en vous serrant les uns contre les autres. J'approche. Ouais, j'approche ma tête de Dante, je coupe le micro et je lui fais signe de couper son micro. Ouais. Je coupe, évidemment. T'as confiance là, Silva, là, c'est la chef, mais c'est une rédempteur, t'as vu? C'est l'élite de l'élite, quoi. En général, ce genre de mission, ça peut vite partir en cacahuète. Et puis, s'il faut cacher des éléments, des informations qu'on pourrait obtenir qui mettraient en péril le système, ça pourrait se retourner contre nous. Mais tu crois que si on attrape ces quatre salopes, tu crois que Silva... Je sais pas, je...
ses anciennes compagnons d'armes, quoi. Ouais. Il va falloir prendre faire des choix. Ah bah le choix va être vite fait, crois-moi. Et du coup, je me retourne vers le véhicule et je rebranche mon micro. Alors que vous êtes en train de partir de Fonar-Debraska, vous voyez qu'en empruntant ce tunnel, juste avant, les phares ont éclairé un autre véhicule qui est quasi identique au vôtre, qui a l'air par contre, lui, un peu plus neuf, plus sombre. Et vous avez vu des personnes qui s'engageaient à l'intérieur. Je vous ai mis, ils sont en haut à droite de la carte. Je sais pas si vous les avez vus. Si, si. Au-dessus du major, ouais. Ils ont des insignes sur eux qui permettent d'identifier leur poste. Il y a que Chaplain qui peut voir ça. Parce qu'il a fait deux réussites. Les autres. En fait, il y a même Hammer, toi, tu ne les vois pas. Hein, t'as rien vu du tout, quoi. Mais ceux qui ont fait une réussite, vous les voyez embarquer. Et Chaplain, tu peux me poser une question, si tu veux, concernant ces personnages, le véhicule, ce que... Je te laisse le choix de la question. J'y répondrai. Bah, je regarde si c'est un véhicule qui est équipé pour... Pour quel type d'environnement et à quel type d'unité ils appartiennent, quoi. Enfin, quel est un peu le type de mission auquel ils se destinent, si je peux le déduire. Ouais, tu vois que ça doit être certainement une unité spéciale aussi. Ils sont habillés tout en noir. Alors, ils peuvent avoir des trucs un peu camouflage pour l'hiver, mais tu vois que vous êtes très camouflage vert, tu vois, des choses dans ce genre-là, quoi. Tandis que eux, ils sont. C'est le noir et blanc, on va dire. Leur uniforme. Pas leur uniforme, leurs vêtements et leur tenue militaire. Ça me laisse entendre. Ça me laisse comprendre à quelle unité ils appartiennent. Pas vraiment. Tu comprends pas trop parce que là où était censé partir l'expédition, on va dire, Signy, la plupart des hommes que tu as vu partir, ils étaient avec des tenues classiques, vertes, militaires, et pas ce genre de tenue, quoi. Là, c'est une tenue qui est faite justement pour un environnement comme celui-ci, comme celui dans lequel vous êtes, ici sur Ariarcus. Pour le froid, on va dire. Alors, Mason avait aussi fait une réussite et un facehugger, du coup, ça n'annule pas la réussite pour autant. Non, ça n'annule pas la réussite, donc tu as vu ces personnes-là aussi. Ouais, et moi, ça me parle, vu que je suis allé sur Cepheus il n'y a pas si longtemps que ça, et que... est-ce que ça aurait pu me rappeler ce genre d'uniforme noir? Est-ce que j'aurais pu voir ça avec les événements de Novgorod, quand je me suis retrouvé sur Cepheus? Peut-être, je vais voir qu'est-ce que je peux te faire comme test pour... Et sinon, pendant ma réflexion, je me retourne vers Chaplin, je dis, écoute, tu pourrais, t'as moyen de voir, de vérifier par senseur ou autre s'ils nous suivent, parce que ça serait dommage de savoir que le major nous envoie sur une mission et qu'il nous fait suivre en plus, tu vois. Je trouve que leur départ précipité correspond un peu trop avec le nôtre, tu vois ce que je veux dire. Alors, tu peux faire un test de Comtech, du coup, Chaplain, si tu veux vérifier des choses. Chaplain ou Mason ? Chaplain. Chaplain, tu peux faire un test de Comtech. Et toi, tu... Non, ça te dit trop rien. Enfin, si, ça te dit vaguement quelque chose, mais t'arrives pas à remettre des... Ouais, je fais pas le lien avec ces films, Tu fais pas le lien. Il aurait fallu, oui, vous arrêter, descendre, regarder d'un peu plus près peut-être. Mais toi, tu l'as vu que l'espace d'une fraction de seconde. Chaplain en a certainement vu plus, puisqu'il était à l'avant et qu'il les éclairait.
Vous voyez en vous mon penchant. micro quand je t'ai répondu, hein, mais pardon. Ah oui, j'ai pas entendu ta réponse, Chaplin. Mais comment Oui, j'allais non, te c'est demander si tu normal. m'avais reçu ou pas? Mais je... Non, mon micro était défectueux. Du coup, quand tu fais ce qu'il te demande, tu t'aperçois qu'effectivement, tu as l'impression que les communications sont épiées, sont contrôlées, surveillées, ce qui t'étonne pas, parce que bah, forcément, vous êtes en communication avec Hatfield. Oui. Mais bon, Il n'y a c'est plus comme si que du... c'était, c'est comme si que c'était une sécurité en plus, tu vois. Alors que vous avez vos communications et que vous pouvez communiquer entre vous et potentiellement avec Hatfield, même si c'est certainement Silva qui le prendra les devants pour cela. Et donc, mais oui, t'as l'impression que y a quelque chose sur le véhicule qui fait que oui. Alors tu Sur sais pas si, le nôtre, ouais, sur le le VAB, véhicule. si on est en mesure de vous écouter et de ce que vous dites à l'intérieur du véhicule, mais en tout cas, tu penses sincèrement en contrôlant que oui, on est en mesure de savoir la position, la position qui est la vôtre quand vous circulerez dans la ville, quoi. Et là, quand Mason a parlé, c'était hors communication ou c'était enfin, juste avec la voix ou est-ce que c'était via les micros qu'on a? Je pense que de toute façon vous êtes tous ensemble, hein, vous l'avez dans l'habitacle du véhicule, vous l'avez tous entendu. S'il s'est adressé à Chaplin, il a dû se pencher pour regarder quoi le Oui, bah, j'ai véhicule et fait ça donc. en fait, en soulevant le micro pour pas être entendu, au cas où il y a un espionnage de fréquence. Après, comme on est face à face, il n'y a pas besoin de passer par les communications. Ce qui Évidemment, veut. si je soupçonne qu'ils vont nous suivre, j'en parle discrètement, enfin j'en parle à Chaplin hors communication enregistrée ou suivable. Ce qui veut dire que Sylvain a entendu, quoi, nécessairement. Ah oui, je me suis pas caché de vous, hein, je me suis pas caché des autres. Hein. D'accord. Je regarde quelle est l'attitude de cet autre véhicule en avançant un peu dans le tunnel, voir si il a l'air de nous coller au train et de nous suivre aussi. Non, tu vois qu'ils sont. En fait, quand tu as amorcé le tournant pour pénétrer dans le tunnel, bah, ça te. Enfin, tu voyais qu'ils regardaient dans ta direction, en tout cas cette femme. Tu as pu voir certainement son nom sur son uniforme, même si Ouais. c'est une tenue qui te fait penser plus aux forces spéciales que tu vois qu'autre chose, quoi. Et tu as pu voir que c'était marqué toi Eckford. Les autres ne l'ont pas vu, mais toi tu l'as vu D'accord. avec tes yeux Oui. synthétiques. Rien ne m'échappe. J'ai bien noté ce nom. Et donc du coup, Mason fait ce qu'il a dit au départ. Hein. Je m'installe et puis j'essaye d'évacuer ce tout petit stress que j'ai eu tout à l'heure pour repartir sur une situation plus saine. Eh ben, vous pouvez l'évacuer, vous pouvez évacuer votre stress. Vous êtes dans un véhicule dans lequel vous avez l'habitude d'être trimballé. Donc c'est un moment où vous savez, où vous pouvez avoir une certaine détente et où vous pouvez récupérer de votre stress s'il y en a, discuter entre vous jusqu'au moment où on va ouvrir les portes pour vous décharger et puis pour vous lancer dans les opérations qui seront les vôtres. Sylvain, vous avez une idée de l'endroit où on pourrait commencer les investigations? Comme je vous ai dit, les rédempteurs fonctionnent en vase clos. Nous ne sortons pas vraiment dans la ville. Peut-être que l'un d'entre vous a-t-il déjà arpenté Arrecus et qui connaît des endroits où les gens pourraient se rassembler ou je ne sais pas. Bah, vous pourriez peut-être nous faire un topo sur la ville. Enfin, moi, je connais pas trop la ville, donc je pense Je pas suis pas rester depuis d'ici. très longtemps, quoi. Non, tout ce que je sais, c'est les informations de base, quoi, que c'était une ville coloniale où il devait y avoir plus de 200 000 personnes et en moins de 3 ans, elle a été vidée de toute sa population et maintenant il ne reste plus que 2 000 habitants. J'ai vu que c'était le centre-ville qui était plutôt éclairé. Vous pensez que les quatre fouineuses vont se planquer justement là où il y a le plus de monde ou ce serait plutôt le genre à aller se dissimuler dans des trous? Allez, si vous voulez savoir ce que je ferais, c'est ça? Je ferais certainement la même chose que vous. J'essaierai de
de contacter, je ne sais pas, quelqu'un qui me permettrait de partir d'ici, et ou bien de me cacher ici. S'ils veulent passer à l'ennemi, à la UPP, la base va être bientôt abandonnée. Ils n'auront qu'à attendre avec les insurgés qui se cachent. Donc, il leur faut trouver des insurgés. Et on sait où se trouvent ces insurgés, justement. Bien sûr que non, sinon ils auraient été tous éliminés depuis longtemps. Après, il y a des sympathisants, mais nous ne pouvons pas faire passer tout le monde par les armes sous prétexte qu'ils disent des choses. Alors vous traversez la ville. Et donc les insurgés carte. Seraient armés, enfin je. Les insurgés, oui, ils peuvent être armés. On prépare des gâteaux à Meur et avec une belle crème dessus pour nous régaler. Non, mais capitaine, moi, si je peux me permettre, il semblerait qu'il y ait une partie de la ville qui ne soit plus éclairée. Je pense que ça serait un lieu parfait pour disparaître. Ouais, ou alors justement, ils se terrent au milieu des gens. Bah, il faudrait bien commencer quelque part, donc c'était juste une. En toute logique, ils doivent se planquer dans des galeries. En général, des rebelles comme ça qu'on n'arrive jamais à anéantir lors de gros conflits. Et c'est ce qui fait durer des guerres. Ce n'est pas très précis tout ça, parce que les zones non éclairées sont importantes. C'est 9 dixièmes de la ville. Et dans ces foutus champs pétrolifères, là, j'imagine qu'il doit y avoir plein de galeries, non? Oui, certainement. Les champs pétrolifères sont au nord de la ville. C'est là où il y a toutes les raffineries également. Enfin, beaucoup ne sont plus en état de fonctionner. Les ressources pétrolières sont toujours là, mais nous n'en avons pas besoin autant que l'UPP. Ouais, donc ça veut dire que là, c'est une zone moins surveillée, non? Toutes les zones sont surveillées, mais nous étions sur le point de partir. Donc, Il y a 9 dixièmes de la ville qui est coupée du secteur. Ah bah oui, secteur. Oui. Ah ouais, d'accord, ok. Si tu enlèves le downtown, ouais. Voilà, si tu vois qu'il y a... Alors les structures des maisons, c'est des assemblages métalliques qui pourraient être des conteneurs, tu vois, qui sont aménagés en habitation. Et donc, ça se superpose sur plusieurs étages. Mais généralement, à chaque fois, la composition, c'est toujours ça, c'est... les habitations sont en hauteur, ça veut dire qu'il y a un escalier métallique qui monte à un conteneur qui est en hauteur et qui fait office d'habitation. Donc quand vous êtes dans la rue principale, vous pouvez en voir certains qui sont illuminés, où il y a des gens qui sont dans les maisons. Vous pouvez voir aussi des gens qui sont sur les routes et qui marchent, qui vous regardent un petit peu bizarrement. Vous voyez qu'il y a plein de tags un petit peu partout sur les... sur les maisons, sur les lieux qui sont ce qui était sans doute des lieux où il pouvait y avoir auparavant des commerces ou des lieux de rassemblement, genre des bars. Et donc on a gravé des slogans qui ne vous font pas forcément plaisir parce que dessus on peut lire mort aux Colonial Marines, enfin ce genre de choses, quoi. Et des slogans rouges qui prônent l'UPP. Enfin, on voit que la ville n'est plus aux mains des Colonial Marines. En tout cas, la population, en tout cas. La population qui reste c'est retournée, en tout cas, ouais. Et qui est là. Bah, c'est celle qui soit traîne parce qu'elle elle veut attendre à la limite une reconquête de l'UPP. Soit sinon c'est des paumés qui n'ont pas encore pu prendre la navette, quoi. Ouais, c'est effectivement ce que tu te dis. Ou bien des personnes qui sont résignées et qui se disent de toute façon Amérique Unie ou UPP, c'est du kiff kiff, quoi. Ouais, des pauvres des rues, quoi. Ouais, j'imagine que toute l'aristocratie entre guillemets est déjà partie, quoi. Oui. Que l'Oblivion Bar ne serait pas une bonne entrée en matière pour aller rechercher des informations. Je n'ai pas entendu le début. L'Oblivion Bar sur la carte. Ce n'est pas une bonne entrée en matière. En tout cas, vous vous y dirigez parce que bah, vous êtes sorti de Far Nebraska, donc vous avez pris la route qui descend, la route principale. Enfin, elle ne descend pas, quoi, mais sur le plan, là, on voit que ça descend. Vers le sud. Vers le sud. Elles sont parties avec un véhicule ou pas? On n'en sait rien.
On n'en sait rien du tout. Je demande à Sylvain. Oui, t'en sais rien du tout, Sylvain. Tu n'as pas Il y a plus Dante qui a d'informations. posé la question, il a répondu non. Enfin, il n'a pas répondu. Voilà, il n'a pas répondu et Sylvain ne vous lâche pas plus d'informations que cela. Aucune trace du véhicule que je soupçonne de devoir nous suivre, de l'autre équipe par hasard, non? De temps en Non, temps, je vérifie, tu je vois demande à le plus. Chaplain. Non, non, tu vois plus rien. Effectivement, quand vous êtes au dehors, vous voyez la masse nuageuse qui est juste au-dessus de vous comme une chape de plomb. Qui s'agite Sur au-dessus de votre votre tête. gauche, Mason, il y a un très beau graffiti mort aux Colonial Marines, mais ne le prenez pas personnellement. Pas de souci, pas de souci. Ce qui m'inquiète, c'est que si la population est massivement contre les coloniaux et un peu pro-UPP, eh ben nos quatre Lascars là, elles n'auront aucune difficulté à disparaître, quoi. Elles vont être couvertes. Il faudra qu'elles montrent patte blanche, ce qui est peut-être pas évident. Sauf si elles ont noué des contacts depuis plusieurs mois. N'est-ce pas, capitaine? Oui, certainement. Donc elle a l'air un peu soucieuse quand même, elle se prend la tête, elle se gratte le front. Le Mais... QG des rédempteurs sur la ville, c'était où? C'était pas dans la ville, c'était à Fort Nebraska. À Fort Nebraska, ils étaient basés là-bas. Oui. Ouais, mais souvent quand des unités sont affectées sur une ville ou autre, ils ont souvent un point en ville, un bar de ralliement. Enfin, ils ont souvent un truc comme ça. Il y a Ouais, quand pas ils étaient en perme, ouais. On peut pas choper ce genre d'infos? Bah, Sylvain peut-être connaît. Oui, elle a... Oui, bon, remarque, C'était bah, je la demande à même. Sylvain. Ouais, je lui demande, vous savez pas par Je ne hasard si saurais c'est pas pas un dire, QG mais le bar, peut-être que le bar est une bonne idée, oui. Peut-être que vous savez, et ce sont des Marines avant tout. Enfin, c'était des Marines, et donc elles ont besoin de moments de détente aussi. Donc je pense que elle avait dû certainement au moins aller une fois dans un des bars de d'Ariarcus. Donc lequel précisément, je ne saurais pas vous dire, mais. Il ne doit plus en rester des dizaines, étant donné que la ville est complètement abandonnée. Bon, de toute façon, faut bien commencer quelque part, On va donc commencer par le on va faire Oblivion comme ça. Bar. Du coup, maintenant que je sais où on va, j'accélère un peu avec le véhicule et je mets un peu la gomme. Effectivement, de toute façon, de ce que des informations que tu peux avoir avec l'ordinateur de bord de ton véhicule. Ouais, je regarde, ouais, s'il y a encore des bars ouverts ou Bah, pas. le seul chose que tu peux voir et le seul commerce que tu peux encore trouver sont sur cet axe principal donc de Downtown. Et donc il n'y a plus grand-chose quoi. Et donc et le seul bar qui pourrait être encore ouvert, c'est celui-là. C'est l'Oblivion Bar. C'est le seul que de toute façon sur lequel on donne encore des informations quoi. Eh bien voilà. Est-ce que durant notre entrée en ville et le peu de trajet qu'on a fait, est-ce qu'on repère quand même qu'il y a une présence des Marines coloniaux, des patrouilles ou autres, ou est-ce que ça est totalement laissé à l'abandon Tu la repères dans le ciel. Tu vois qu'il y a ces véhicules, ces Cheyennes, comme vous les appelez, qui volent et qui patrouillent dans le ciel et qui font encore des allers-retours. Généralement, ils vont jusqu'au spatioport et puis après ils font demi-tour et ils reviennent. Mais il n'y en a pas des masses, quoi. Si tu en as vu deux différents, c'est bien, quoi. Et au sol, rien, il n'y a pas de checkpoint, il n'y a pas de patrouille, il n'y a rien, quoi. Au sol, en tout cas, sur cette rue qui descend, cette route, vous ne voyez rien, quoi. Vous n'avez rien vu. Mais les Cheyennes qu'on C'est voit, on très a l'impression qu'ils désertique, quoi. patrouillent pour une surveillance ou qu'ils font juste du transport Non, non, de troupes? clairement, ils patrouillent. C'est pas de... Ils transitent pas. Dites-moi, Sylvia, il n'y a pas de blocus, il n'y a pas de. Vous avez pas pensé à. Le fait qu'elle se soit partie doit rester, j'imagine, top secret. Il n'y a pas eu de blocage de zone, de confinement. Il n'y a plus assez de militaires de toute façon pour bloquer. Et là, ils ne peuvent pas partir de la ville. Il n'y a que cette ville ici. Alors certes, elle est grande, elle s'étend sur 16 km, mais ils ne peuvent pas partir. Elles seront forcément ici.
Donc la ville est limitée par des murs, enfin, y a des... enfin, c'est quoi? C'est une enceinte ou Non. alors c'est genre c'est tellement invivable Il n'y au-delà a pas que... de, il y a pas de, il y a pas de mur. Mais tu peux voir que sur les extrémités, c'est comme si c'était dans une sorte de vallée, quoi. Donc on voit des sortes de montagnes rocheuses dans le lointain Infranchissable, qui sont enfin... balayées, alors pas infranchissables, mais qui sont balayées par des vents violents, quoi. Ok. Est-ce qu'on peut discuter avec une maman ou pas du tout? On est complètement coupé, on est hors réseau, ou c'est qu'un réseau fermé? Là, pour le moment, ça réseau ferme, mais oui, vous n'avez pas de connexion avec un ordinateur. La seule chose qui se ressemble plus à un ordinateur, c'est Chaplin. Ok. Son bouton reset, il se trouve. Réjouissez-vous, on se rend dans un bar. Donc, notre ami dont nous ne pouvons pas, dont je n'oserais pas prononcer le nom, devrait être satisfait. Je le Est-ce qu'on regarde du croise coin de l'œil. d'autres véhicules? Ou plus du tout? Non, alors là, vous avez vraiment l'impression que c'est désert. Et ceux qui sont restés, que vous croisez en véhicule, se baladent plus à pied qu'autre chose, quoi. Il ressemble à quoi, ce qu'on croise? Bon, ils s'emmitouflent dans leurs vêtements, donc on les voit pas très bien. Ils regardent le véhicule quand il passe. Il y en a Mais certains qui c'est s'arrêtent et qui profil regardent. ouvrier, Ah ouais, voyou. c'est ouvrier, ouais. C'est ouvrier. Après, difficile à dire entre ouvrier et voyou, mais c'est des ouvriers quoi, qui sont restés. Et quand on passe en véhicule justement des Marines coloniaux, est-ce qu'on est regardé de travers ou est-ce qu'on fait vraiment clairement partie des meubles quoi Ah bah c'est tout ce qui reste de la ville, c'est une base militaire maintenant. Il n'y a plus que les militaires et les quelques personnes qui y travaillent. Il y a Silva qui fait. Il y a dû avoir des tirages au sort. Savoir qui resterait et qui serait encore employé. Bien Oui, sûr. donc le fait qu'on soit là, c'est pas du tout une anomalie pour les autres, quoi. Ah non, 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 C'est pas non. une provocation, quoi. Non, mais Non, certains nous voient d'un mauvais œil, dans le sens s'ils sont partisans de l'UPP. Et donc toute la zone éclairée, le 1/9e qui reste d'éclairé, c'est tout autour de la base. Tout le reste, oui, alors voilà, c'est par pôle, c'est par petits endroits Oui, seulement. c'est par petits endroits. Tu peux avoir quelques points lumineux à certains endroits, comme vous avez vu quand vous êtes descendu, quoi. Mais sinon, la plupart, c'est dans l'axe, quoi. Et il n'y a pas grand-chose sur les extrémités, quoi. Il y a des quartiers qui doivent être complètement abandonnés. Alors, oui, pas totalement, mais la plupart du temps, oui. Capitaine, d'ailleurs, vous qui connaissez un peu la ville, là, le fait que tout soit éteint, c'est au fur et à mesure de l'évacuation que ceux qui gèrent le planétoïde là, ont coupé, ou bien c'est des coupures accidentelles? Non, C'est vous quoi l'histoire? passez de 200 000 habitants à 2 000 en 3 ans, forcément, il faut pas s'étonner qu'il y ait des zones qui soient complètement abandonnées et donc éteintes de toute le. D'accord, donc c'est vraiment volontaire, quoi. C'est pas du tout accidentel ou c'est pas du sabotage? Non, après, il y en a certainement. Il y a des actes terroristes. Les insurgés font beaucoup souffrir les installations des Colonial Marines, ici. À ce propos, à propos d'action, est-ce qu'il y a eu des choses un peu inhabituelles qui se sont produites depuis la disparition de ces quatre soldats? Non, pas vraiment. Après, c'est tout récent, hein. Donc, nous verrons bien par nous-mêmes. Il n'y a pas eu d'actes de terrorisme, même dans des endroits, des districts plus éloignés. Des Bah, communications un peu étranges. non, mais juste au moment où tu dis ça, Du on entend un sabotage pang, ou... pang, pang sur la carlingue de la voiture, comme si on avait jeté quelque chose dessus, quoi. Une pierre ou un truc comme ça, quoi. Moi, je regarde à travers. Alors c'est difficile pour ceux qui sont à l'arrière de voir, hein. Vous ne pouvez voir que à part l'avant et donc par là où se trouve Chaplin et puis Silva. Donc en vous regardant, mais ça doit venir d'un côté et donc c'est à moins de chercher, de s'arrêter et de chercher qui a bien pu lancer cette pierre, quoi, mais sinon on ne voit rien du tout, quoi. T'as vu Il y quelque a des chose, fenêtres sur les Mason? côtés, on voit rien du tout. Ah oui, il y a que Ah bah le pare-brise avant, quoi. Ah oui. Le Ok, reste t'es c'est blindé. blindé, quoi. Et donc il y a une porte arrière à ouvrir où vous pouvez vous descendre. Ah oui, donc En on même voit temps, quasiment même pas le paysage, quoi. À non, l'avant, vous vous avez vu voyez quelque que par chose, les l'avant. gars? Mason, Non, mais bon, ça m'étonne pas. On n'est pas en odeur de sainteté ici. Il va falloir faire vite, c'est ce que disait le major. Ici, c'est devenu une poudrière maintenant. Donc il faut accomplir notre mission plus vite.
Ouais, mais vous Regardez, avez vu ce on que cette arrive. putain de ville couvre comme surface? On est cinq. Oui, après, il faut espérer que les gens se soient rassemblés dans les lieux de vie. Si on enlève le spatioport, bon, il reste, ça fait encore pas mal de. Allez, on verra bien quand on y sera à Chaplin, c'est loin encore? Non, on arrive et donc c'est Sylva qui dit ça, regardez. Et puis on voit un néon, un énorme œil de néon bleu marqué d'un croissant de lune rouge en son centre, qui clignote au-dessus de l'entrée de ce qui doit être certainement l'Oblivion Bar. Alors de là où vous êtes, en plus à un entrepôt qu'autre chose, et s'il n'y avait pas cet éclairage, oui, c'était clairement un entrepôt, quoi, où on rentre par une porte métallique qui est ouverte. Il y a des barils qui sont à l'extérieur, qui sont en train de brûler, pour certainement réchauffer les quelques videurs qui sont à l'entrée et qui attendent le client. Il y a du monde qui traîne ici, un peu Ça plus rentre, qu'ailleurs. ça rentre, ça sort. Oui, tu vois qu'il y a vraiment pas mal de monde. Par terre, c'est assez boueux. Il neige assez souvent, où il y a des précipitations. Et donc, le sol noir se mélange avec ce qui tombe. Et c'est souvent boueux, ça doit coller aux bottes. Bon, allez, on va aborder l'entrée. Certains restent dans le véhicule. Ouais, Zmijewski, tu vas cuver ici. T'es pas encore en état de toute façon de pouvoir nous suivre. Essaye de réagir si quelqu'un essaye de nous bombarder le véhicule de pierre. Enfin, réagir, pas dans le tas. Juste ce qu'il faut pour que le véhicule n'en souffre pas trop. Capitaine, vous préconisez quoi comme approche? On vient en conquérant ou on vient en client? De toute façon, on est habillé en militaire. Alors, quelle que soit notre manière d'entrer, on sera considéré comme arrivant en conquérant. Non, aussi bien. Essayons juste de faire On va s'adresser au attention. barman directement déjà dans un premier temps. Au propriétaire. Débarquer. Vous entrez directement? Je regarde derrière moi, je veux absolument être sûr que les quatre clampins qu'on a vus dans la base là en tenue noire ne seraient pas dans les parages. Je sais pas pourquoi, mais il y a un truc qui m'inquiète avec eux. Non, tu vois pas. Ok, bon, je fais un Tu vois rapide pas coup de d'œil véhicule. circulaire. Tu ne pourrais pas le rater, alors parce que bah forcément les rues sont vides, alors sauf s'il s'est garé dans une autre rue adjacente, mais là tu ne vois rien du tout. Est-ce que une fois que le groupe, est-ce qu'une fois qu'on rentre dans le bar, est-ce qu'on n'en laisse pas un justement à la sortie pour bloquer toute sortie déjà? Ouais, Pour alors bloquer la de zone. alors. Vous pouvez faire le tour de l'endroit, quoi. Mais de ce que tu vois là sur la façade, il y a l'air d'avoir qu'une seule entrée, une double porte qui est ouverte. Ok, donc quand on va rentrer, il y en a un qui va se poster directement à à ce toi, niveau-là. Dante, ça me paraît. Chaplin, tu as une Je serais rassuré de cartographie de la savoir que ville ou Dante, tu es pas? encore à la porte, tu vois, tu surveilles la porte. Moi, je peux rester à la porte, hein. Oui, j'ai une cartographie de la ville, oui. Non, mais je veux dire, par exemple, si on te demande combien il y a d'accès pour l'Oblivion Bar, tu es capable de. Bah, ça, je ne sais pas si j'ai une cartographie détaillée d'un endroit comme celui-là. Je peux vérifier. J'essaye de voir si j'ai ces informations-là dans le véhicule. Configuration des lieux connus, en tout cas. Tu la trouves assez Ouais. facilement. Ouais. Comme la plupart des lieux, on va dire, Public. de public derrière CUS, quoi. Voilà, tu vois à quoi ça ressemble ici. Moi, avant de rentrer, je regarde réflexe, je regarde quand même sur les toits s'il n'y a pas de guetteur ou un tireur éventuellement, voilà, par rapport où on pourrait se placer pour avoir un bon angle de tir. Donc pour résumer, on a Vachensky Kiki là qui est resté Qui restait dans le véhicule, ouais. dans le véhicule. On ne sait pas ce qu'il fera, mais bon, il y est, au moins il le protège. Quand tu On revois, a Dante quand qui tu va rester regardes, de. tu vois qu'il est passé à l'avant.
Il est passé de l'arrière à l'avant sur les sièges avant. Ok, bon, bah au moins il est conscient et il va surveiller le véhicule. On a Dante qui va surveiller l'accès de la porte d'entrée, comme ça on sera un peu plus safe à l'intérieur. Vous pouvez vous placer si vous voulez rentrer déjà, d'ores et déjà. En tout cas, quand vous arrivez à ce niveau-là, vous voyez les videurs qui grognent un petit peu et qui disent trop rien, quoi, mais ils vous regardent à drôle d'air quand vous entrez à l'intérieur. Enfin, ceux que vous soupçonnez être des videurs, parce que y a peut-être des personnes qui rentrent et qui sortent assez fréquemment, hein, ça. Il y a un gros bonhomme qui vient d'apparaître. Attends, le crécet là. Alors, j'arrive pas à bouger mon token. Moi non plus. Ah, moi si. Ah. Moi c'est bon pour moi. Non. Ah, attends, je pense que je sais pourquoi. Je faisais un peu n'importe quoi. J'étais avec la flèche. Ah, c'est bon, moi aussi. Ouais, donc quand vous rentrez, vous voyez qu'il y a des personnes qui sortent, quoi. 3-4 personnes qui sortent en même temps. Bon, c'est presque comme si on se bousculait, quoi, quand il faut rentrer, quoi. Ils peinent à vous laisser passer, quoi. Comme s'ils jouaient un petit peu la provoque, quoi. Mais bon, vous voyez qu'ils sont pas armés. Vous avez votre équipement en totalité. Ouais, c'est ce que j'allais te compris, dire. Moi, personne qui me touche, je veux pas me faire chouer ce que j'ai sur moi, tu vois. C'est un peu de la provoque, mais c'est Alors quand vous entrez à l'intérieur, il y a une chaleur qui est très différente du froid qu'il y a à l'extérieur. Il doit faire au moins 30 degrés ici dans ce lieu-là. Vous êtes accablé par la chaleur et en plus avec vos lourds équipements, vous le ressentez tout de suite. Il y a du monde, mais il y a peut-être 120 personnes à l'intérieur, quoi. Donc toutes les tables sont prises, il y a des gens qui sont debout, ça se bouscule dans tous les sens, ça rigole, ça chante à certains endroits. Il y a les basses de la musique qui va à fond, qui fait vibrer les vitres quand toi, Hammer, tu te mets là où tu te mets, c'est-à-dire dans les toilettes. Ah non, mais moi je vais faire une reconnaissance dans les toilettes justement. Ok. C'est le but. Et donc, vous voyez que c'est presque assourdissant, quoi. Vous demandez comment ils font pour s'entendre à l'intérieur. Bah moi, j'essaye de me régler pour pas être trop incommodé par les aspects trop sonores, là, et que ça perturbe pas ma vigilance et ma concentration pour essayer d'analyser ce qui se passe. Ok. Tu vois donc, que quand je diminue les basses. Quand tu te rapproches du bar, le bar fait un gros S comme ça. Il y a des danseurs et des danseuses qui se trémoussent dessus. Là où tu t'installes, il y a justement une femme qui est en train de danser devant toi dès que tu commences à t'approcher de la chaise qui est là et qui vient certainement d'être laissée libre par quelqu'un. Tu t'installes à la chaise ou tu restes? Ouais, je m'installe à la chaise et je regarde la fille qui se dandine. Mason reste toujours près de Chaplin. À la porte, il y a un gars, tu vois qu'il y a un gars un petit peu bizarre qui s'approche, Dante. De l'extérieur ou de l'intérieur? De l'extérieur. Il reste à l'extérieur. Il est assez bizarre. Il a un look un petit peu gothique, des longs cheveux. Je l'ai mis sur ta droite. Sylvia reste dehors ? Non, je vais la faire rentrer, mais comme je mettais des... Voilà. Donc vous devez vous frayer un chemin entre les gens qui sont ici, qui vous toisent toujours à chaque fois de la même manière. La foule est dense, ils s'écartent assez timidement. Vous voyez que vous pouvez faire un test d'observation, tous ceux qui se sont rapprochés du comptoir pour le moment. C'était un peu mon idée, hein. C'était un peu de superviser l'ensemble. Donc vous pouvez, vous pouvez. Ce que j'opérais. Moi, je regarde en tout cas, voilà, Luc qui est rentré là, le gothique. Je regarde s'il paraît être armé. Non, il paraît pas être armé et tout de suite tu commences à l'entendre qui interpelle les gens qui rentrent. Tu vois qu'il y a une sorte de long manteau noir
Et ça a l'air d'être quelqu'un qui, pour toi, te semble un petit peu halluciné. Il commence à parler de choses et d'autres, de la fin du monde qui est proche, du fait qu'il faut tous, se purifier, qu'il faut... ouais, tu vois qu'il y a un discours un petit peu religieux, mais comme tu es à l'intérieur, t'entends pas trop ce qu'il dit, ça bourdonne à tes oreilles, les basses tapent, et donc du coup t'entends pas trop ce qu'il dit, mais ouais, t'as l'impression qu'il est en train d'essayer de convaincre des gens de les convertir à une religion. Enfin, tu saurais pas trop dire quoi, mais t'entends pas trop, mais c'est l'idée que ça te donne, quoi. T'as peut-être déjà vu ce genre de gars. Les religions et les sectes se sont démultipliées parce que bah forcément quand tu te retrouves loin de tout, t'as besoin de croire en des choses. Quand tu vois que Dieu n'est plus là, tu te tournes vers d'autres choses plus ou moins ésotériques, quoi. Ou spirituelles. Peut-être. Bah, je prête pas trop attention, quoi. Voilà, j'écoute d'une oreille, mais je surveille surtout. Voilà, le bar, quoi, en lui-même. Il y a quelqu'un qui vient nous servir ? Oui, il y a des serveurs qui viennent vous servir. Vous voyez qu'il y a... Il y a derrière le bar, il y a quelqu'un qui a l'air un peu mieux habillé. Une femme. Que la plupart des gars qui fréquentent ici le bar. Elle surveille et elle regarde quand il y a besoin d'ajuster quelque chose, elle demande à un serveur d'aller resservir à tel endroit. Elle a l'air de gérer, ça a l'air d'être une gérante et il y a beaucoup d'argent qui circule mine de rien. Il y a beaucoup de consommation, alors que bah ça a l'air très pauvre d'une certaine manière, mais vous avez l'impression que les gens ici ils brûlent leur dernière cartouche, quoi. Enfin, ils claquent leur dernier pognon parce qu'ils savent pas ce qu'ils vont devenir demain. Et c'est l'ambiance que ça donne, quoi. On fait la fête pour faire la fête. Alors, je regarde les tests. Ouais, Mason, t'as réussi quelque chose. T'inquiète, j'avais pas oublié. Tu vois que les gens que tu regardes ont l'air... ceux qui croisent ton regard ont l'air inquiets quand même. Tu sens cette inquiétude qui est certainement la même que la tienne, tu vois. Ouais, tu vois qu'il y a deux personnes et tu vois qu'il y en a un qui se... Il y a une table où il y a deux personnes qui étaient en train de discuter. Il y en a un qui vient dire quelque chose à l'oreille de l'autre, qui a l'air d'être un gamin, et il y en a un tout de suite qui se lève pour faire mine de quitter l'endroit, quoi. Là, immédiatement, je dis « Dante, tu me reçois ?»« Dante, tu me reçois ?» T'entends pas bien, Dante, il y a du bruit. Ouais, je te reçois. C'est bon. Tu fais gaffe, là, il y a deux mecs qui sortent, là, un jeune apparemment avec un sweat à capuche et un bonnet vert. Ça, c'est les deux qui sont restés. Et il y en a un qui se dirige justement vers Dante pour sortir. Tu veux que je l'arrête, hein, direct ? Ouais, je pense que... L'intercepter, oui. Ouais. Intercepte-le, ouais. Discrètement, si tu pouvais le diriger vers les toilettes ou... Tu le chopes et tu le fous à côté. Il y en a deux, hein. Il y en a un autre avec un bandana et... une espèce de japs chelou avec une clope et une plaque militaire autour du cou. Soit ouais, mais... reste là. Amène les mots aux chiottes, ouais. Ouais. J'arrive à les repérer, enfin il y en a deux là qui bougent pas, mais l'autre qui sort, j'arrive facilement à le repérer. Tu vois, alors il y a du monde, hein, mais quand il te donne la description du gars qui arrive vers toi, tu le vois tout de suite, quoi. Alors j'ai mis la musique fort, mais du coup... Faites-le discretos, hein, vous les foutez aux chiottes. Hammer, toi ce que t'as remarqué quand t'étais aux toilettes, c'est que il y a des gars qui se calment dans les toilettes. Donc c'est tout ce que tu as vu quand tu es rentré, et tout de suite, c'est comme si quand ils t'ont vu arrêter, et quand ils t'ont vu arriver, ils ont rangé comme si ils étaient en faute de quelque chose, quoi. Et toi, tu passes et tu les regardes, et ils font comme si pas comme si tu étais un flic, quoi, mais en fait, tu es un militaire. Mais ouais, en tout cas, ils n'étaient pas rassurés, quoi. Sauf que si je vois ça, tu vois, ils ont beau planquer leur cam, je leur fais en gros dégager les chiottes, quoi. Parce que justement, j'entends cet appel-là de Mason et je me dis qu'on peut l'intercepter le petit bonhomme là dans les chiottes pour aller l'interroger discretos. Donc je dis au junkie de se casser, quoi.
Et tu sans demander leur reste, ils sont partis, quoi. Et le gars qui vient vers vous, que vous arrêtez, ouais. Il fait hey, qu'est-ce que vous voulez? J'ai rien fait. Pourquoi vous m'arrêtez là? Simple formalité, suis-nous. Panique pas. Et on va où là comme ça? J'ai rien fait, je vous dis. Je suis avec la bière que t'as bu, tu dois avoir envie de pisser un coup et viens par là. Et je le tire vers les toilettes. Ouais, mais je vous assure, je fais rien, je... La porte est refermée directement derrière lui. Hein. Mmh. Bon, t'avais envie de rejoindre le blizzard, là? Qu'est-ce qui se passe? Tu pars déjà? Il fait bon pourtant ici, non? 30 degrés? Ouais. Pas l'ambiance. Je veux rentrer, c'est tout. J'ai. Ta maman t'a dit que c'était l'heure. Elle t'a appelé. Ouais, c'est ça. Ouais. Il faut que je rentre. Ma mère m'a appelé et donc c'est le moment. Ah oui, c'est une mère aimante, ça. Elle s'occupe de toi. Bon, dis-moi. Je vous assure que moi j'y suis pour rien. C'est eux. Moi j'y suis pour rien. J'ai juste pris ce qu'il me fallait. Et c'est qui eux? C'était dealer. Faire un test de manipulation. Alors, c'est toi qui vas le faire, et Dante, si t'aides, il peut t'accorder un dé supplémentaire. Je peux lancer avec tu un bonus Dante de plus 1. Oui, bah je le bouscule un petit peu, quoi. Ah mince, je mets une petite main à l'épaule. J'ai pas mis le plus 1, pardon. Ah oui, il fallait que je clique sur le plus. Du coup, est-ce que je le refais ou... Oui, tu peux le refaire. N'oublie pas, vous avez des talents. Mais t'as peut-être un talent qui pourrait être utile là. Pas de manip, mais qu'est-ce que je veux dire? Comment on fait pour faire le plus 1 déjà? Ces requêtes de modificateurs là que je dois cliquer? Je regarde en même temps. Ah non, c'est base, il faut que je mette 1? Non. Je sais plus comment faire. Boom. Ça se lance directement. Ouais, ça se lance directement. Donc il doit y avoir un truc où tu dois pouvoir rajouter un dé quelque part. Peut-être requête de modificateur. Si je mets base, la base, peut-être en mettant 1, non? Non, ça m'étonnerait. Ouais, parce que non, tu vas faire ton test à partir de là. Donc comment on fait ça? Tiens, c'est bizarre. Il y a un truc, hein, mais c'est vrai que. Oui, je pensais requête de modificateur. Attends, peut-être je peux cliquer, ouais, je peux essayer dessus, ouais. Voir. Attends, non, c'est pas moi qui appuie là. Non, j'ai essayé avec contrôle et shift, mais ça marche pas. Quand je mets en surbrillance requête de modificateur, j'arrive plus à lancer le truc. Alors attends. Sinon, tu jettes un dé après. C'est-à-dire, je refais un test. Quand tu vas relancer un dé à 6 faces après. Ah oui, alors. Ok. Ou bien, allez, on va faire même mieux. Ça peut être. Celui qui aide va lancer son propre dé, tu vois, comme ça, voilà. Ok, bon, participe je te laisse aussi tenter, au truc. Hein. Il y avait un truc avant, hein. Il faudra qu'on regarde, il y a peut-être des trucs j'ai qui oublié, sont changés. Vous pouvez faire aussi. Ça. Ouais. Et j'ai pas pensé à regarder de ce côté-là, quoi. Donc, non, tu vois que le gars, il commence à prendre un petit peu plus d'assurance en plus, donc il fait un petit peu le hautain, mais il dit non, moi j'y suis pour rien, j'ai pris ce que je voulais, maintenant laissez-moi partir, je veux sortir d'ici. Bon, alors s'il fait le gars hautain, je peux dire que je le prends pas le col, là. Attends, t'as pris ce que tu voulais, là, on parle de quoi, là, exactement? T'es un junkie? Ouais, c'est du Stimix, c'est pêtre, il en vend, j'ai juste pris ma consommation, c'est tout. C'est le gars avec qui t'étais là à la table? Ouais, c'est ça. Et okay. c'est votre pote là, il m'a regardé, alors du coup je me suis barré, mais. Oui. T'allais pas me faire chier pour ça, quoi. Non, on va pas te faire chier. Bon, par contre, tu vas me montrer l'intérieur de ton manteau si tu veux bien, d'accord? Tu vas m'ouvrir tes. Ouais, tu vas me montrer ton joli t-shirt. Et tes papiers. Il a des mitaines, il a un pull rapiécé, enfin c'est. Ça a l'air d'être un pauvre gars, quoi. Tu travailles rien dans le coin? Rien de particulier, quoi. Il te montre sa dose de Stimix. Ouais, ça m'intéresse pas, je te le laisse, mais bon, même si t'es un peu jeune quand même pour ça, mais bon. Bon, écoute-moi. Alors, c'est pas lui, hein. C'est pas lui. Lui, il est encore resté à la table. Ces deux-là sont à la table.
Le gars qui est venu vers vous, c'est un lambda, donc il a pas de tête. Ah, j'ai trouvé le input value, pardon. Ok, excuse-moi. Ah, il a pas de tête, ok. Du coup, il est... Bon, il a une quarantaine d'années. Ah oui, d'accord, donc c'est pas un gosse. Alors écoute, voilà ce que je te propose. On a un deal, toi et moi. Tu gardes ton SteamX, pas de problème, tu te défonces comme tu veux, après tout, tu peux bien t'amuser, là, vu le peu d'amusement qui reste, hein, de toute façon. Par contre, tu vas peut-être me donner quelques infos. Qu'est-ce que vous voulez comme info? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai rien à dire, moi. Je suis sûr que tu n'aimes pas trop les colonels marines, c'est que quand t'en vois, tu sais les repérer, donc t'en as peut-être vu, là. Ah, j'en vois deux beaux spécimens, là. Ouais. Mais là, moi, je te surveille ton nana, langage, là. Moi, je te parle de nana. Qu'est-ce que vous allez me faire? Vous pouvez rien me faire, ici. J'ai rien fait, moi. Vous êtes des militaires. Vous pouvez pas frapper les gens comme ça. Et puis, alors, fais gaffe. Les lois, aujourd'hui, tu vois, tu veux évacuer ou pas de la colonie, là? Non, je m'en fous. Je reste ici, moi. Ah, tu restes ici. Ah oui. Parce que il va plus rester beaucoup de Steamix, hein, tu on sais. On va nous déplacer, et puis ça sera le même bordel ailleurs. Je n'ai rien à foutre, je préfère rester. Ah, mais si tu veux, je peux te déplacer dans une tôle de Fort Nebraska. Il nous reste encore quelques trous. Non, tu seras nourri, mais ça sera pas au Steamix, si tu vois ce que je veux dire. Les gars, laissez-moi partir, j'ai rien fait, je vous jure que j'ai rien fait. Bon, écoute-moi, je lui décris les quatre nanas, là. T'as vu des soldats de ce genre? Et je lui décris les Est-ce quatre... Est-ce que tu... Oui, tu lui décris. Okay. Ouais, tu je peux... donne pas de nom, Alors, bien sûr. Vous avez reçu sur votre tablette, là, vous avez la photo des personnes. Les profils, vous pouvez vous pouvez montrer les profils aux gens, si vous voulez. Ouais, je vais plutôt les décrire pour le moment, ouais. Pour voir si ça lui dit quelque chose. Non, ça me dit rien, je suis désolé, ça me dit rien. Laissez-moi partir maintenant, soyez sympa. Je regarde par contre s'il se fout de ma gueule ou pas, parce que je vois bien qu'il est nerveux, mais... Est-ce que quand je lui décris le truc, est-ce qu'il a des mouvements au niveau des yeux, tu vois, enfin du mec qui cache quelque chose, ou des signes? Tu peux faire un test d'observation. Observation. Tu confirmes qu'il se drogue? Ouais. Ça j'avais bien compris, ouais. Et il doit avoir certainement cumulé plusieurs drogues différentes. Il a déjà les yeux explosés alors qu'il a pas pris son Steamix, quoi. Ok. Je regarde Dante pour voir s'il a une meilleure approche, mais bon. Je pense qu'il est aussi... Ouais, je te fais signe de la tête, mais derrière son dos, on te fait un signe, on va rien en tirer, quoi. Je te dis, lâche-le, et je te dis de le lâcher, je dis, on va voir Peter. Allez. Et donc, du coup, Chaplain, et puis ceux qui sont à côté, vous avez cette... Cette danseuse qui vous sourit en faisant des gestes, des mouvements de vagues devant votre visage, qui s'exhibe un petit peu, décolleté, au fond. Elle a l'air de faire partie de comment du personnel. Difficile à dire. Difficile à dire, mais potentiellement. Potentiellement. Mais il y a des gens qui montent aussi sur le bar, il y a même des mecs qui sont là, qui montent sur le bar, qui restent 2-3 minutes, qui se tortillent aussi, et puis après qui redescendent. Elle a un verre devant elle Non. Elle a pas un verre devant elle? Non, non. Elle fume une cigarette, quelque chose? Non, pas du tout. Ça casse toutes mes entrées en matière. Elle est assez séduisante, elle fait son numéro de charme, quoi, mais bon, elle a pas l'air d'avoir remarqué que t'étais synthétique. Non, je le montre pas plus que ça, de toute manière. Je m'approche d'elle. Hein. Mmh. Du coup, elle s'accroupit sur le bar, et puis elle te touche le visage presque comme ça, tu vois. Elle met ses mains autour de ton visage. Elle a l'air et d'être. Elle te sourit. Elle a l'air d'être
ou substance. C'est possible aussi, oui. Ouais. Je fais attention à mes affaires quand même. Elle a les yeux brillants un peu, et mais après, bon, il fait assez sombre hein, dans le lieu. Il n'y a pas des gros néons qui vont tout éclairer, quoi. Il y a des zones même très sombres dans le bar. Et donc, je lui souris et j'enlève quand même sa main doucement, avec délicatesse. Tu veux boire quelque chose ? Elle fait... Non, je suis en train de travailler, là. Je m'appelle Bobby, et toi ? Comment, mon beau ? Moi, c'est Chaplain. Chaplain, original. Ouais. Et peut-être après, Chaplain. Oh, te fatigue pas, je préfère les garçons. Mais toi, tu donnes aussi dans les filles et dans les garçons ? Ou t'as tes préférences ? Je préfère les mecs, mais bon, si on me paye, peut-être que je peux faire des exceptions. Ah ouais, ça t'arrive souvent ? Pourquoi tu voudrais regarder ? Ça pourrait être sympa. C'est quoi ça ? C'est un uniforme ? T'es un militaire ? Ouais. T'es avec eux alors ? Ouais. Oui. On est ensemble. Bah, t'as vu, on est arrivés ensemble. Mais Elle l'a pas forcément vu, hein. Elle voit peut-être Mason qui est autour, mais avec la foule, la fumée. Ouais. Ouais. On vous voit pas rentrer, ouais. T'aimes bien faire des trucs avec des militaires ? Ça te plaît ? Ouais, les militaires, c'est toujours une bonne source de revenus. Après, ça dépend lesquels. Toi, t'as l'air doux, mon agneau. Moi, je suis très gentil. J'aime pas les trucs violents, moi. Je suis vraiment quelqu'un de calme et j'aime bien regarder. Mais le problème, c'est que... Je prenne mon ami là-bas et qu'on danse pour toi. Voilà. Le problème, c'est que je suis venu qu'avec des gars de mon unité, tu vois. J'aurais bien aimé voir des filles en uniforme qui se font des choses. Ça se fait, ça, ici ? En uniforme ? On en voit plus très souvent, tu sais. T'as déjà fait, ça ? Ouais. Ah, mais pas aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui, non. Tu vois qu'il y a quelque chose qui s'est passé, quoi. Elle s'est renfrognée d'un coup. Ouais, fais pas... Ça va, je t'agresse pas. Non, mais je sais pas, tu poses des questions bizarres. Tu veux quoi, au juste ? Bah... Non, moi, je... Juste... Voilà, j'aime bien quand il y a des filles militaires. En fait, j'ai un des mecs qui est avec moi là, qui avait un plan avec une nana des Marines. Mm-hmm. Et il faire un test de manipulation. Il aurait bien aimé la retrouver ici. Donc tu essayes de l'embobiner. Ouais. Manipulation. Et là, en entendant Chaplain, je me retourne vers lui, j'essaie de me faire entendre aussi par cette fameuse danseuse. Je dis, alors, tu me l'as trouvé, ton plan chelou, là ? Putain, tu parles d'un bizutage de merde, tu m'avais promis un truc exceptionnel, pour l'instant, c'est bateau. Un peu de patience. Ouais, attendez, on peut réfléchir. Après, c'est compliqué ici, les militaires, vous savez, il faudrait pas rester ici si vous êtes pas forcément bien vu. Mais qu'est-ce que vous voulez savoir au juste ? Pourquoi vous parlez de militaires femmes ? Expliquez-moi. Mais parce qu'il y en a. Écoute, il y a un des gars là, dans mon unité, là, qui avait flashé sur une des filles qui était à la station, mais. Il y a deux filles qui sont passées hier. Ah. Ouais, c'était des militaires, j'ai vu, elles avaient leurs plaques. Mais elles avaient tombé la veste et tout, quoi, mais forcément, ici, avec la chaleur,
C'était pas des vêtements militaires, enfin j'ai vu qu'il y avait des rangers aussi, quoi. Ah bah Mais voilà, ça doit être les copines que mes gars cherchent. ils étaient pas comme vous, ils étaient pas en armes, ils avaient pas les tout ça, quoi. Vous, enfin ton pote là, il est venu avec l'artillerie lourde, quoi. Ouais, mais bon, là, à vrai dire, on devrait pas être là, on est en mission. On s'est arrêté en passant. En tout cas, On devrait pas être là, en fait. elles ont rien essayé, si c'est ce que tu veux dire. En tout cas, pas avec moi. Elles sont Ah. venues, et elles sont restées. C'était sur le coup de 2 h du matin. Elles sont parties sans laisser de pourboire. Ouais, C'est tout ce un que peu je sais. rapia comme ça. Il y avait une black, je crois. Je sais plus. Elles étaient deux, c'est certain. Une black et il n'y avait qu'une black. Ah, c'était des filles, c'est sûr. Elles avaient des plaques militaires. Après, j'ai pas fait plus attention que ça, quoi. Elles se sont pas Ah, intéressées ils à sont pas moi. présentés, ils ont pas donné leur nom. Non, Ah, c'est que dalle. dommage, je peux pas savoir si c'est vraiment les nanas que je cherche. Ouais, Ah, on s'en je branle suis la désolé. couleur, ce qu'on veut, c'est de la gonzesse. Tu sais très bien que sur base, on peut pas se les faire, alors qu'ici, on pourrait. Allez, faut un Moi, bon je te trip, là. rappelle que c'est pas pour moi. Je suis là Ah, allez, on s'en en poisson fout. pilote, moi. C'est pour vous que je viens. Bon alors, tu l'as ce plan ou pas là? Un peu timide. Ils sont un peu timides, mes copains. Et où est-ce qu'on peut se les trouver ces nanas là? Parce que sur base on pourra jamais se les taper. Il nous faut un bon délire ici quoi. Je sais pas si elles vont revenir. Nous, on squatte toujours l'endroit. Il n'y a plus grand-chose à faire d'autre. De toute façon, tout est fermé. Et la bosse là-bas, elle saurait? La bosse, je sais pas. Elle regarde et tu Je vois qu'il y pointe a une caméra. du menton vers la fille qui était bien habillée. Ouais, tu vois qu'il y a une caméra juste derrière le bar. Qui Ouais. filme le bar dans sa plus grande portion, quoi. Et donc, ouais, elle a un œil sur tout. Peut-être que elle aura vu si vous voulez vous renseigner, mais je sais pas si elle vous donnera les renseignements que vous cherchez. Enfin, quoique vous êtes militaire, donc pourquoi pas. Non. Oh. Ouais, bah. Faut te rien de demander, on est gentil, hein. On cherche pas des renseignements, on cherche de la chaleur humaine. Tu nous as Vous pris voyez pour qui? que Il n'y a pas des flics, Sylva est parti parler à une femme. Et ici, vous la voyez, l'espace d'un moment, qui parle à cette femme, une femme assez costaud. Mâchoire carrée. Qui se déplace comme un camionneur, quoi. Elle est debout, ils sont en train de discuter, ils échangent. C'est J'essaye de Sylvain me qui parle avec elle? rapprocher, moi. C'est Sylva qui s'approche avec elle. J'essaye de me rapprocher de Sylva pour essayer de capter ce qu'elle dit. Ouais. Tu fais ça en discrétion? Ouais. Et mobilité? C'est ma spécialité. Mais quand même un jet. Ouais. Mobilité, ouais. Quand tu dis c'est ta spécialité, t'as un talent particulier? Non, c'est ta spécialité parce C'est que t'as pas beaucoup de un coup de bluff, quoi. Voilà. dés. Bah tu arrives, tu t'approches discrètement et tu peux entendre et tu vois qu'elle interroge. Ce vaisseau, alors, il vole? Et la fille répond non, ça fait longtemps qu'il vole plus. Je devais recevoir des pièces, mais avec tout ce bordel, hein, que dalle. J'ai un propulseur qui HS et toutes les pièces sont étalées. On n'attend plus que les réparations, mais il n'y a plus rien qui va venir. C'est foutu. Je vais perdre mon vaisseau. Mon vaisseau, il est ici. C'est complètement à l'abandon et moi, je peux même pas repartir. Hein. Qu'est-ce que je vais faire? Je peux pas le laisser. Je peux pas. Où je vais? Qu'est-ce que je fais? Putain de merde! Et tu vois qu'elle est en train de boire dans une sorte de gobelet, elle se l'enfile d'un trait, quoi. Putain de guerre, putain de Colonial Marines. T'entends, et sinon. Vous avez perçu les requêtes de personnes qui voudraient se barrer, qui voudraient profiter de ton vaisseau ou qui te seraient approchées, même si j'ai compris qu'il peut pas décoller. Et elle fait, mais pourquoi je vous parlerai de toute façon? Qu'est-ce que j'y gagne, moi? J'ai déjà tout perdu. Qu'est-ce que vous m'offrez pour que je vous raconte des choses?
Et tu vois que ça a l'air de piétiner un petit peu leur conversation. Ouais, ouais. Ils ont l'air de se connaître, en tout cas, d'après ce que... Je saurais pas dire, Yona, toi tu penses que elle l'a interrogée, elle a vu un profil particulier, elle est peut-être venue vers elle, quoi. Donc, glisse à l'oreille de Sylva. Je lui dis, en mettant ma main pour pas que l'autre écoute, hein, je lui dis, il y a peut-être moyen de lui... Elle se penche vers toi, du coup. Lui remettre des pièces, je sais pas, de quoi réparer son vaisseau. Si elle a des infos intéressantes. Des pièces, qu'est-ce que tu veux que je te dise, on n'a rien, nous. Et à on la base, rien ici qui pourrait à la partir base, dans... doit bien y avoir quelque chose. Peut-être, ouais, mais j'en sais rien, déjà. Et puis, tout ce qui pouvait décoller et partir vers l'espace est parti. Il reste plus que le Costanega qui est au spatioport. Non, mais ça, en clair, on s'en fout. Il n'y a que toi et moi qui le savons, donc... Ouais. Ouais, on peut retenter. Vous aviez fait quelques pas en retrait, quoi, et puis... Je pense que elle a un problème avec les femmes. Tu devrais essayer de ton côté. Peut-être que ça marcherait mieux. Bon, j'y vais. Je lui fais un signe de tête et j'y vais. Encore un? Putain, hey, vous allez me faire chier encore longtemps? Non. Vous relayez là comme ça? Il y a ma collègue là, putain, qui de vie de merde. Tu serais peut-être à la recherche de pièces? Ouais, mais elle a rien pour moi, elle m'a dit. Ouais, mais c'est pas elle qui elle gère. Elle peut rien faire. C'est pas elle qui gère la mécanique. Ah ouais? Et toi, tu saurais? Je vois qu'elle direct... a des tatouages sur les bras, elle a remonté ses manches. Et tu vois que bah, c'est des tatouages de camionneurs de l'espace, tu vois. C'est peut-être pour ça qu'elle l'a interrogé, quoi. On voit qu'il y a différents. Ouais, c'est une camionneuse, quoi, la bonne femme. Elle est tatouée de partout sur les bras. Quoi. Je lui dis pas. Et on voit un vaisseau avec une pin-up dessus. Quoi. J'ai peut-être, pour moi, il y a peut-être moyen de récupérer quelques pièces si tu vois ce que je veux dire. Il y a des choses qui traînent, des choses qui se perdent en ce moment. Ouais, mais là c'est du gros matos qu'il me faut. C'est mon putain de propulseur qui HS. Alors tu vas pas me faire miroiter n'importe quoi. Je sais très bien que ce genre de pièces, ça se trouve pas comme ça. Non, ça se trouve pas comme ça, mais ça peut se trouver. Et où tu me trouverais ça? Et quand? Dans pas très 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 longtemps, parce que bientôt il y aura plus grand chose. Peut-être quand t'auras fait un test de manipulation? Peut-être. C'est aussi ma spécialité. Hein. Ah, vous êtes des marines, ça, la négociation, ça se fait à coup de... Ouais. Pas si vous menacez avec des armes, vous allez avoir des bonus, hein, mais ça risque de faire peur. Et ça mais ça marche. Juste, hein. Ouais, ça marche. Et donc elle fait, ouais, je peux te faire confiance. Tu peux me faire confiance, mais par contre, il faudra décider vite, quoi. Parce que je peux pas te garantir ça éternellement, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, après de toute façon, je m'en fous. Même si je décollerais, j'ai plus de cargaison, j'ai plus rien, enfin, il n'y a plus grand-chose, quoi, donc... ouais, t'es bien sympa, toi. Merci d'essayer, en tout cas. Ouais, j'ai reçu pas mal de requêtes de colons qui veulent partir d'ici. Et il y avait une blague. Je l'ai vue tout de suite, c'était une militaire. Elle s'est sentie proche de moi, tu vois. Et couleur de peau oblige, quoi. Ouais, ça se comprend. Tu l'as vu quand? Je l'ai pas vu ici. Je l'ai vu au spatioport. Elle m'a abordé là-bas. Elle est avec les gars qui essayent de partir. Et qui attendent de partir. Je l'ai croisée juste avant de venir. Ça fait pas si longtemps que ça. Ok. Elle était toute seule? Elle t'a dit pour combien de personnes peut-être elle voulait partir? Il y a 2 heures, quoi. Bah, pour elle, d'après ce que j'ai compris, il lui fallait une place, quoi. Ça change, parce que l'habitude, c'est les familles. Et même des personnes qui ont voulu me confier leur enfant, tu te rends compte? Que je parte avec leur enfant et qu'eux, ils restent ici.
Bah, tout le monde est désespéré, hein. Ah ouais. Ça va, ça. C'est en train de puer sacrément ici, il n'y a plus On grand peut pas monde qui dire que reste vous avez et. facilité les choses en abandonnant tout le monde. Si tu veux, c'est pas de mon ressort par contre. Et je suis là comme toi. Bon, en tout cas, t'arrives à avoir un propulseur et à le sortir de ta base. Bah, tu me cherches, tu es dit. Et Et mon comment on peut te vaisseau, joindre? c'est le HMS Magpie, Géospatioport, dans un hangar. Et elle t'a dit que c'est ton petit nom, c'est quoi? Eddie. Eddie. Je la regarde, hein, je me demande si c'est un mec ou une fille au final, mais. C'est une fille, mais c'est vrai Bon. qu'elle a des allures de mec, quoi. Et elle a dit qu'elle te recontacterait ou tu lui as dit que c'était Je mort? lui ai dit que c'était mort, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai rien pour décoller. Et pas de propulseur. Et elle m'a pas proposé de propulseur, tu vois. Donc j'ai un peu de mal à y croire à ton histoire. Bon. Écoute, tu crois qui tu veux, mais cette nénette, elle pourrait se rapprocher d'autres personnes comme toi. Il y a encore des personnes qui ont les Non, il n'y capacités a plus de. personne. Il n'y a plus qu'un vaisseau là-bas. Il n'y a plus qu'un vaisseau qui est capable de partir dans l'espace. Et puis après, il y a le vaisseau militaire qui, lui, pourrait embarquer tout le monde s'il voulait, quoi. Tous ceux qui voudraient partir pourraient partir à bord de ce vaisseau. Mais pour le moment, il est enchaîné, on va dire, et cloué au sol. Et c'est vos potes qui le surveillent. Donc, il n'est pas prêt de décoller, quoi. Je ne sais pas pourquoi tout le monde s'est arrêté d'embarquer. Ils ont fait ressortir tout le monde et ils ont parqué tout le monde dans des hangars comme des bêtes. De croire que ça va vite chier si ça continue comme ça. Bon, ok. Ça existe les téléphones ou les. Enfin, je veux dire un moyen de communication Comme que tech? je pourrais lui demander, quoi. En fait, l'idée, c'est de lui faire croire que je veux lui prendre son numéro pour la recontacter, quoi. Ouais, bon, il n'y a plus grand-chose qui fonctionne de toute façon ici. Là, je passe mon temps ici. À me bourrer la gueule parce qu'il n'y a rien d'autre à faire, donc si tu veux. C'est ici que tu me trouveras. Bon, et t'as pas une idée. T'as vu personne avec cette fille, je suis surpris. Non, personne avec cette fille, non. Elle avait l'air lucide, bourrée, droguée. Bah. Inquiète, comme beaucoup de monde, désireuse de partir vite et très vite, comme beaucoup de monde. Bah, j'ai pas vu de différence avec les autres, sauf que c'était une militaire, donc c'était ça qui était bizarre, quoi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est barrée, c'est ça? On est dans le mille? Moi, je suis surpris que tu me dises que ce soit une militaire, mais quelle est l'allure d'une militaire? Oui, ça c'est possible. Mais c'est pas vraiment une fille de chez nous. Bon, Donc écoute. elle sort une flasque de whisky, elle en remet dans son gobelet, elle te le tend, et elle boit sa flasque. Ouais, bah je vais pas porter là-dessus, mais je la remercie, je fais semblant de boire une gorgée et je lui dis, écoute, je sais où te trouver, si c'est pas là, ça sera au Spatioport, donc sur contact. Peux faire un test d'observation? Rien remarqué dans son attitude qui pourrait te laisser penser qu'elle t'ait menti. Alors, je sais pas pourquoi ça a lancé 4D d'ailleurs là. Parce que j'en ai que 3 normalement. Plus ton Plus ton attribut. attribut. T'as ton attribut plus la compétence. Non, mais à moins que. Moi, Non, t'es c'est sous laissé quelque. esprit. T'as pas le modificateur apparemment? Parce que moi, des T'as fois, j'ai une peut-être fenêtre laissé le qui s'ouvre, mais pas modificateur? toujours. Un modificateur? Non. Je vois pas pourquoi. Je retente hein, juste pour voir. Ah ouais. Ouais, c'est Pourquoi il pas m'en mal. lance 4? Je sais pas pourquoi il m'en lance 4. Ouais, je regarderai. Il y a peut-être un truc qui est resté. Parce que pour les autres, ça fonctionne. Mais là, j'ai un des trop. Enfin, de toute façon, j'ai raté. Donc Ok, je regarderai. voilà.
Bon, bah, je rejoins. Enfin, j'enclenche dans mon. En communication, mais je mets ma main devant la bouche en retournant un petit peu vers le bar, si les autres y sont toujours, hein, parce que j'ai dû parler un moment avec elle. Et je dis on a une des cibles probables qui était au spatioport il y a moins de 2 heures. Et qui cherchait à évacuer. Ok. Ah, si. Ouais, bah, elle a été vue ici. Hein. Alors, je réponds, c'est le. Je pense qu'elle est passée ici d'abord, d'après le timing, et là, elle doit soit être repartie du spatioport, enfin, elle était pas loin du spatioport il y a peu de temps, quoi. On devrait plutôt aller là-bas. On va peut-être finir ici, je sais pas. Hein. Ça, 2 heures, elle a pu se déplacer. Ouais. Ouais, Mais a il faut pas priori, elle traîner. était seule. C'est notre seule piste de toute façon pour le moment, alors. Et d'après ce que vous avez entendu dire, les gars, Alors, toi, elles Chaplaine, sont venues à deux. toi, ouais, Chaplaine, elle t'a dit, la Bobby, là, elle t'a dit qu'ils étaient venus à deux. Elle avait vu deux personnes, deux Il y militaires. avait deux Ouais, filles, dont la deux blague. filles. Elle est même pas très sûre, là, si c'est une blague. Pas celle qui a essayé d'avoir qui a parlé du spatioport, c'était une blague. En tout cas, il y a Dante et Hammer qui s'approchent de la table avec la personne, on va dire, suspecte. Comment vous faites cette approche? Ah ben moi je vais vers lui là, celui qu'il m'a désigné comme le péteur là, j'y vais, je recherche quelque chose que vous avez certainement. Mais comment tu t'approches de la table? Parce qu'il y a du monde, donc Ah bah tu t'as le. normalement, hein, enfin. Moi je reste à l'entrée, hein. Non mais tu me Reste, dis, d'accord. il y a du monde, il y avait un autre homme avec lui, c'est Oui, tout. un jeune, il y a le jeune que tu vois là qui est avec lui, qui sont restés tous les deux à la table. Ouais, donc je regarde le jeune et je lui fais les gros yeux pour qu'il se barre. Et pour m'asseoir à sa place. Tu vois que l'autre se lève en même temps, le paître, celui qu'on t'a désigné comme paître, il se lève en même temps. Et il te Bah, regarde avec un air mauvais. Peter, j'ai besoin de quelque chose que tu as. J'ai rien à vendre. C'est pas ce qu'on m'a dit. Faites pas chier. C'est pas ce qu'on m'a dit, donc Vas-y, tu. Mika, barre-toi. Mais tu partais là? Ouais, on se casse. Faisant Bon, tout de bah, à même. bientôt alors. Alors, je fais mine de le laisser aller vers la porte d'entrée. Enfin, s'il se dirige vers la porte d'entrée, et puis je dis à Dante, Ouais, moi je les stoppe. je chope le mec avec le bandana rouge là sur la tête. D'accord. Toilette. Hop. Et donc, Et je rejoins. ils sont à deux, hein, ils se dirigent vers la porte à deux. Et donc, quand tu Genre bloque la chopes le sortie. paître, tu vois que le gamin, lui, il essaye de se faufiler pour se barrer. Je le bouscule. Vas-y, tu peux faire un test de combat rapproché. Bon, à la limite, concentre-toi sur Peter. Au moment où il part, tu le pousses comme ça, tu lui mets un coup d'épaule et il va s'éclater contre le mur de l'entrée comme ça. Et tu vois que l'autre, il commence à arriver vers toi et puis il te pousse avec les deux mains, le paître, du coup, comme t'as bloqué Mika. Il fait, qu'est-ce que tu veux, espèce de connard là? J'essaye de Laisse-moi passer, l'attraper par putain! Ah, le mais moi, cou. je me rapproche le plus vite possible, hein, parce que le but c'est Ouais. qu'une fois qu'il est près des chiottes, moi je converge aussi, hein. Et donc t'arrives dans son dos à ce moment-là, mais tu vois qu'il est en train de bousculer, ça fait une sorte d'esclandre à l'entrée, il y a peut-être une dizaine de personnes qui sont autour, qui sont en train de regarder et d'écouter de ce qui est en train de se passer ici. Ah non, mais moi je prends par le callback et je le fous au chiotte, Ouais, tu fais aussi un test Le but c'est d'évacuer cette zone-là et puis voilà, d'aller au chiottes de combat comme rapproché. Diana.
Oui, tu vas bien le maîtriser. Comme t'arrives par derrière, en plus, je lui fais même pas faire de test. Donc, tu le prends par le callback directement et puis par la ceinture de l'autre côté. Et puis, avec force, tu commences à l'entraîner vers les shots. Il s'attendait pas à ce que t'arrives comme ça aussi vite. Donc, il est un peu surpris. Et donc, il se fait manipuler vers les toilettes. Assez rapidement. Mais tu vois qu'avec sa main, il essaye et Dante surtout, tu le vois qu'il essaye de saisir quelque chose à sa ceinture. Tu remarques qu'il y a un flingue, Dante. Ah non, bah moi je lui redonne un coup, mais beaucoup plus violent cette fois-ci. Ouais. Combat rapproché à nouveau. Ouais, tu peux faire un combat Ouais. rapproché. Lui laisse même pas sortir son arme, que tu lui prends sa main et tu serres très fort, et tu vois le flingue qui commence à tomber par terre. Tu vois que c'est un flingue, c'est un truc de Ça attrape le flingue. C'est pas un vrai flingue. Ouais, c'est un petit caïd de seconde zone, quoi. Ouais, c'est un truc monté, fabriqué. Ah, ça peut tuer quand même, quoi. Bon, en tout cas, je fais en sorte de récupérer le flingue et puis de l'amener directement au chiotte. Hein. T'as récupéré le jeune que tu as. Non, peut-être pas. Dante, toi, t'as pas récupéré Ah, le jeune que t'as posé. le Il s'est jeune il barré? s'est éclaté, non, donc il s'est pas barré, là il se relève un peu groggy, il s'est ouvert l'arcade. Vous voyez les gens, purée, mais qu'est-ce que vous faites, hé? Allez, on va le Qu'est-ce soigner que vous là, c'est vrai. N'inquiétez pas. Faites comme si vous avez rien C'est vu. quoi ce bordel? Purée, Je qu'est-ce le que vous prends et êtes je l'amène venu au faire chiotte aussi, ici? hein. On assure la sécurité justement. Vous La n'inquiétez pas, tout sécurité? va rentrer dans On l'ordre. sait se démerder nous-mêmes. Je lui mets limite, je lui mets la main devant la bouche hein, s'il parle trop, L'autre, quoi. d'accord. Quoique on C'est pas. l'entend peut-être pas bien avec la musique, non? Et donc rentre à la. Non, c'était des gens qui étaient autour de vous là, qui râlaient de votre comportement, quoi. Ah pardon, d'accord. Y a rien à voir, vous inquiétez pas. Allez, viens, mon Ne pote. créez pas de problème, vous n'avez rien vu. Allez, on va aux toilettes. Et donc vous entrez dans les toilettes avec lui. Mason pour Et avec les deux, Vacheski. hein. Oh, tu m'entends dans le transport ou quoi? Réveille-toi. Eh, quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est safe dehors, c'est bon? Rien à signaler? Dehors, ça pue un peu, donc on a besoin de savoir comment ça sera dehors si on a besoin de sortir. Et que dalle dehors. Il y a des gars qui vont, qui viennent, et que dalle. Ça roule, tu peux te rendormir à tout à l'heure. Ouais. Salut. Réveillez-moi au besoin. Et donc, vous l'emmenez dans les toilettes, et on s'arrêtera là pour ce soir. L'interrogatoire, ce sera pour la prochaine fois. Et la possible émeute qui va se produire ici Mais également. non. Mais non. On va lui rendre son arme. Sa pétoire. Êtes dans les chiottes. Ouais, vous êtes dans les chiottes. La tête dans les chiottes, en le tenant Ouais. par les pieds. Ouais. Guantanamo. On connaît l'archive ancienne. En tirant la chasse d'eau et quand on le relève, il dit merci. Bon, voilà l'entrée en matière. Bon, chacun son style, hein. Ah, il n'y a pas trop de manipulateurs, hein, d'après ce que je vois.